Le grand saut, c'est maintenant. Hop, esquive rotative. Monsieur, vous allez me tuer. Oh, oh, je crois que je vais me tuer. Oh, merde. Il est parti là-bas. Ok, super, merci, passe à mon habillé. 2200, putain. Ah bah, il avait de l'argent, lui, hein. C'est un noir, mais il est riche, hein. Oh, bah, mais pourquoi, mais... Ouf. Je ne fais que souffrir, que souffrir. Excusez-moi, c'est un rendez-vous, bonsoir. C'est un rendez-vous, excusez-moi, pardon. Non. Attendez, monsieur. Oui, bonsoir, c'est un rendez-vous, je suis en retard. Rendez-vous pour... Les patrons. Ah oui, ok, c'est au fond de la pièce, juste, je vais faire une palpation de sécurité. Allez-y, levez mes bras. Ok, rien de dangereux. Oh, non, rien du tout. Ok, très bien, vous pouvez. Merci. Justement, c'est tout droit. Ok, merci. Excusez-moi du retard. Ah, pardon. Pardon du retard. Pardon. Oui. Belle boulette, venez la belle boulette. Donc oui, c'est un partenariat banque mairie. Donc pour cet événement, justement, il y aura des crédits avec un taux d'intérêt intérieur. Super. Justement, merci beaucoup. Exprès pour ces enchères, justement. En fait, après, okay. Super. Monsieur Bitboulette, j'aimerais bien vous voir après dans mon bureau. Justement. Bonjour à tous. Excusez-moi du retard. Avec plaisir, je suis disponible. Wow. Y a pas de souci. Oh, monsieur Galloway. J'ai quelques trades à faire, etc., mais je serai disponible pour vous, monsieur. Quelques trades, Zarma, t'as capté dans le trading. Non, je pense qu'on a fait le récap de plein de choses. Bon bah super. On avait ski une réunion chante, les gars. Cette réunion, je tiens également une énième fois à vous le rappeler, donc cette réunion était là à but informatif. Le point de shop, c'est ciao, les gars, c'est ciao. Si manquement c'est il y a, une sanction il y aura. Voilà. C'est j'ai une question, réunion. Excusez-moi. Je vous écoute. On va faire un emploi comme tout le monde. Si par exemple un patron oublie de faire donc sa déclaration pour les bénéfices pour les actionnaires et tout, vous dites qu'il y aura sanction. Attendez, Bilal, il m'a fait un vocal. C'est actuellement sur le code du travail. Oui. Mais s'il y a sanction, c'est-à-dire que derrière il fait la déclaration, les bénéfices pourront être versés après ou pas? Si ça dépasse lundi une heure, comme on l'a dit précédemment, ouais. Non, du coup, les bénéfices ne seront pas versés. D'accord, donc il n'y aura que la sanction et c'est tout. C'est pas la sanction écrit, hein. Et c'est tout, voilà, exactement. D'accord. Si ce n'est pas écrit, ça va être... Les gars, il me drague dans ses vocaux. Écoutez sa voix. Il me drague. Des lois par rapport à tout ça qui vont être proposées au Conseil des lois bientôt, de la côté de la mairie, pour mettre les choses au clair, vu qu'il n'y a rien actuellement d'écrit. Tous les mardis, nous pouvons faire ça. Il me drague, les gars. Dorénavant, nous aussi, on va prendre l'initiative. Avec sa voix suave, là, comme ça, là. D'écrire des lois, en fait, tout simplement, sur les actionnaires bien précises pour les cas nombreux et variés qui ont pu déjà voir sur le Santos de lui arriver des actions. Toto, ce soir, on s'entraîne. Je me permets, monsieur Galloway. Allez-y, madame. Avez-vous des informations à nous apporter concernant les docs? Je sais qu'ici, il y a énormément de personnes d'entreprise qui se demandent comment vont les choses. Est-ce que ça s'améliore? On peut pas crier. Je peux me permettre de monter pour ma jeune Évidemment, évidemment. Merci à vous. Miss Carrington, je peux peut-être récupérer votre micro? Ça, je vais mettre devant. Oui, il est là. Je vais peut-être là. Celui-là. Est-ce que tout le monde m'entend dans l'auditoire? Oui. Malheureusement. Bonjour à tous, je me présente Monsieur Galloway, si tout le monde ne me connaît pas ici, ce qui serait très bizarre. Je suis le patron des docs, du Human Labs et de bien d'autres choses. Je suis très content d'être en votre présence aujourd'hui, car c'est un peu le la riche, situation est grave. La situation est grave, vous pouvez... C'est de faire une bonne image. ...déjà de vous-même de par vos stocks. Mais, j'ai des bonnes nouvelles et je suis optimiste pour la suite. J'aimerais d'abord, avant tout, avant qu'on commence par parler des solutions, qu'on fasse un petit inventaire et qu'on essaye de faire une petite chasse aux sorcières, de savoir qui est vraiment le fautif. Parce que vous allez sûrement voir beaucoup de choses dans les, soit les réseaux sociaux ou les journaux comme le Wizard News ou Life Invader. C'est un fautif, les gars, c'est moi. Quelque chose de clair. La crise qu'il y a actuellement n'est pas du fait des docs, ok? Je ne pointerai pas les personnes concernées, bien que je pense que vous ayez l'intelligence d'esprit de faire le lien vous-même. Bref, ce n'est pas de notre faute, bien qu'on essaie bref. De régler la situation. Bref, W, bref. On est, comme vous, face au mur. Bref. Dos au mur, plutôt. Je crois que c'est ça qu'on dit, Miss Carrington, oui. C'est ça, dos au mur, oui. Dos au mur, merci. Donc, avec mes équipes, c'est-à-dire ma femme et les gens qui sont actuellement avec nous dans Galloway Inc., bref. On s'adonne à of course. Une lutte acharnée bref. Avec nos fournisseurs du Nicaragua pour essayer de reprendre en main nos contrats qui ont reprendre. Été sont envolés, partis en fumée à cause de... Bon,
bref. Bref. Les nouvelles of les course, plus récentes bref. Sont que nous avons potentiellement obtenu un accord pour un bateau qui pourrait sans doute arriver d'ici quelques jours, voire semaines. C'est bon, mec, là-bas, là. Pour livrer Notch Hill. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on peut tous se féliciter déjà d'avoir réussi à tenir. Bravo, merci. Bravo, bref. Bravo. Merci. C'est fou, merci, ça. Super. Incroyable. Merci, super, merci. Je vous avais promis une solution long terme. Bref. Donc, nous essayons de négocier ce contrat pour qu'il persiste et qu'il continue dans la durée. Donc, comptez sur nous, Galloway Inc., pour vous assurer et vous fournir. On compte sur vous. Comme vous le souhaitez à l'avenir. Petit dernier message, pendant que j'ai ce joli temps de parole qui m'est accordé par nos amis de la mairie. Ouais, profitons de la réunion, c'est la dernière, c'est vrai. J'ai aperçu dans la salle Monsieur Rector, qui a pour ambition de monter son parti politique. Il est en train de tout mettre en place, mais n'hésitez pas à aller le voir si vous avez besoin d'informations et si vous souhaitez adhérer. C'est monsieur comment Galloway? C'est pas le thème de la réunion. Oui. C'est pas vraiment le thème. C'est pas le thème, mais je vais poursuivre. Récupération. Je vais poursuivre. N'essayez pas d'aller le voir. Son programme est vraiment sympathique. D'accord, mais c'est toujours pas le thème. On parle d'un programme. Le temps s'est déjà passé. En plus. On est avec vous, monsieur Galloway. Bravo, monsieur Galloway. Merci, jeune homme. Devoir acheter de la nourriture sur Galapagos, c'est tenir selon vous? Il y a encore la nourriture sur Los Santos, hein, mais bon. Hein. Du coup, je vais prendre la parole. Du coup, je dois te prendre la parole, évidemment, parce qu'on entend beaucoup de choses. Pas tout le monde, à mon avis. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît, il y a monsieur qui parle. S'il vous plaît. Donc, comme l'a dit monsieur Galloway, bon, bah, tant mieux, je me réjouis de ces. Attends, j'ai du charisme, les gars, wesh. J'ai de l'autorité, là, un peu quand même. Monsieur Galloway, vous présentez en tant que sauveur auprès de tout le monde, c'est bien. Pas de soucis, si pas de soucis. Vous avez pris un peu de temps, mais ce n'est pas grave. Pas de soucis. Il faut répondre à deux choses, d'accord? Encore une fois, parce que moi j'assume comme depuis le début, hein, comme on fait, si les contrats n'ont pas été prolongés, c'est que les prix étaient exorbitants. Et si actuellement j'aurais prolongé ces fameux contrats, les menus seraient à plus de $400. Oui, oui, c'est ça, ouais. Oui. Personne ne vous a demandé de les négocier, Mr. Flores. Si que du blabla, que du blabla. La population n'est pas du tout, monsieur Flores. Ouais, tais-toi. Je vais laisser parler, du coup. Donc, merci, laissez parler. Du coup. Donc, comme je l'ai dit, monsieur Galloway, avant de savoir que vous étiez là, hein, vous étiez personne pour moi, vu que vous n'êtes pas présenté à moi. Donc, forcément, c'était compliqué de savoir que vous étiez le patron des docks. Donc, c'est pour cela que les contrats ont été faits. Et si je pense que vous aurez géré, je n'aurais pas eu besoin de le faire moi-même, du coup. Mais j'en suis réjoui que ça avance, c'est bien. Et concernant, du coup, le parti politique de monsieur Rector... Qu'est-ce que je fous là, les gars, moi ? Allez le voir. Je vous rappelle que les élections sont passées. Je vous rappelle qu'encore une fois, le côté Flores... Lâche un ta gueule. Non, je vais vraiment être viré, les gars. Des gens qui nous soutiennent. Non. Pas de concurrence. Mais on lâchera un ta gueule quand on sait qu'on est viré, mais pas là. De perdre. Sur ce, bien joué, ça a été bien dit, c'est bien dit ça. Sachez qu'on a nos. Quoi, cet humour de politique là. On a nos restaurants qui travaillent. Merci. Quoi, cet humour d'extrême droite. Merci à vous de jouer le jeu. Mais attends. Nos LTD aussi également, c'est un peu plus compliqué. Donc on attend avec impatience votre bateau, monsieur Galloway, d'accord. Bien sûr. Et puis on verra par la suite du coup ce qu'il en coûte. Merci à tous et puis bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Moi je vais fabriquer mon usine. Kelly, Félix. Je prends la balle avec grand plaisir. Excusez-moi. Patron du label SVR. J'ai rendez-vous avec vous. Oui. Bonsoir. J'ai rendez-vous avec vous, monsieur. Laisse parler avec la personne. Ouais, il avec nous trois. Super, allons-y. Tu voulais me voir, Rector. C'est la seule raison. Oh, t'es là. Bureau, tout de suite. Venez, Carmen. Vous voulez on va aller ici, madame. Allez, Garita, dans le bureau. Merci. Faisons vite le rendez-vous, je suis un peu overbooké en ce moment là. On voulait juste attendre sur le siège ici. Venir avec vous, monsieur Stanislas. Non, il a dit que c'était mon bureau. Oui, est-ce que tu peux glisser de débloquer mon compte, s'il te plaît. Après, c'est une petite réunion avec vous. Vous allez bien? Savez-vous, c'est monsieur Bill Boulette, s'il vous plaît, je crois. Bill Boulette, oui, c'est pas une chauffe-flamme. Ça va l'entreprise, elle tourne bien? Ah oui, elle tourne super. Ok, ça va les impôts là, parce que là justement on se fait gronder parce qu'il n'y avait pas d'impôts de fait, donc j'espère que c'est pas notre cas. Ah non, il n'y a pas d'impôts de fait parce que je suis exonéré d'impôts la semaine d'après. Ah oui? Ah bah ça c'est bien ça. Bah oui, comme on vient d'ouvrir, je suis bête. Bah c'est pour ça, bah oui. Ok, bah je sais pas de quoi il veut vous parler alors. Bah oui, c'est pour ça que je suis rempli pas de fiches d'impôts. Ok, ça marche. Monsieur, excusez-moi, on parle très fort. Excusez-nous.
Monsieur, vous êtes un investisseur, vous, non? Allez-y, Félix. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi vous êtes policier, alors? Ben, on peut investir en tant que policier, bien sûr. C'est un complexe de riche, c'est ça? Non, c'est juste que j'ai de quoi claquer, quoi. Ok, je comprends. Donc je me suis dit, pourquoi pas aider une petite entreprise? Il me faut votre numéro, toujours, parce que... Par contre, je suis le seul. Oui? Je suis le seul actionnaire de la boîte. Ah bah, tu veux ça mon sert. Numéro? Oui, parce qu'en fait, alors, j'ai un problème. J'ai vendu mon téléphone au pawn shop. Ah bah ça c'est bien. Bah oui. Mais bon après il faut que t'en aies un quand même. Bah du coup non mais c'est du coup 78 25. D'accord, bah super, c'est monsieur ça. Flamme de notre numéro, pas d'accord de soucis. Merci beaucoup. Bonjour le message, d'accord. Mais oui mais c'est fou parce que il me relance sur les impositions mais bah, j'ai pas d'impôts à remplir comme c'est exonéré de la première semaine. Et donc, ouais donc dit... Mais je pense que c'est parce qu'on commence la deuxième là peut-être. Bah non justement, regardez, je suis exonéré la première semaine. Ouais. C'était un dimanche où j'ai été pris des trucs. Donc c'est la première, c'est jusqu'à le dimanche d'après. Donc c'est le dimanche qui était précédent. Donc techniquement, les premiers trucs d'imposition, c'est, je dois les donner dimanche soir. Ouais, ouais, bah c'est peut-être pour expliquer comment ça va se passer. À moins qu'il vous ait déjà expliqué, je sais pas. Non, du tout, on m'a pas expliqué. Donc c'est peut-être pour ça. Oui, oui. On va voir. Mais il est où ce monsieur Stan? Il est là. Monsieur, non, Il est en face de vous, monsieur Stan. Non, mais comment il s'appelle? Boudjou, il voit plus rien. Il s'appelle le monsieur de l'entreprise, monsieur. Les gars, une semaine dans la poche. Une semaine dans la poche, les gars. Ouais, on va sauver, les gars, on va sauver. Vous croyez en moi, le cash? Ah, ben bah, venez, Stanislas, il est là-bas. Bah, c'est vrai que si on attend devant la mauvaise porte, c'est compliqué. C'est lequel? C'est lequel parmi tous ces hommes en costard? Ben, je sais pas, c'est celui qui a les cheveux sur le côté, là, une arrêt au milieu, là. Cheveux sur le côté, ah, c'est lui. Peut-être... Ah non, c'est pas lui. J'ai l'impression que mon jeu il est plus beau, les gars. C'est là. Et dans un moment, c'est la réunion. Encore? Encore? Et c'est ça que je parlais. Attends, je me disais que le sol tremblait, mais c'est vrai que. Bonsoir, bonsoir. Ah oui, il est là. Ah oui. Il est là, mais il a rendez-vous. Attends, je te le montre. Tu l'as vu ou quoi? Non. Attends, tiens. Putain, c'est les anciens. Ouais. Vendeur, propriétaire. C'est pour ça qu'ils voulaient me racheter les parts. Mais si je les ai on plus. On voit ça dès demain. Vas-y, t'inquiète. Ouais, de toute façon, tu sais où me contacter. Hein. Vas-y, merci à toi, Otan. À quel tour? Bah, au pot de shot. Les gars, j'ai signé. Bon, oui. Du coup, vous voulez voir le patron Stanislas? Il y a des choses qui passent pas bien, monsieur Hudson. Oh non, c'était simplement pour faire un topo. Hein. Là, en aucun cas, je viens le punir. Hein. Simplement pour l'accompagner sur sa spécialité. Ah bah, super. Bah, d'ailleurs, j'avais besoin de vous voir parce que j'avais du mal à vous voir. Parce que, alors, en fait, j'ai vendu mon téléphone au pawn shop sans faire exprès. Ah, ouais, ça c'est con ça. Du coup, il me faudrait votre numéro, s'il vous plaît, monsieur Watson. Le 55-41. 55-41. Alors, oui, bah, franchement, tout se passe bien au pawn shop. Là, j'ai fait mes premiers contrats d'employés. Et donc voilà, étant donné que on est exonéré d'impôts la première semaine, je vais faire ma fiche de vente, enfin ma fiche d'imposition pour le premier week-end, donc ce week-end-là, dimanche. Mmh, d'accord. Bah super. Est-ce que le compte en banque se porte bien au pawn shop? Parce que je peux me permettre de mettre des sous dessus, hein, donc il y a pas de souci. Il se porte très mal, mais parce que c'est normal, parce que j'ai pas encore fait le transfert d'espèces au compte bancaire. Ah, ça, vous pouvez faire un convoi de fonds avec voilà, le convoi de fonds. Bah après, c'est pas très, on n'est pas très loin de la Banque Pacifique, mais le convoi voilà, se fera normalement ce soir ou demain soir. Ah, ouais, génial, parfait. C'est qui s'occupe de ça? C'est le RSP hein? Ou c'est de... Parce que je sais que ça passe par la bancaire, mais je crois que c'est le SSP. Les gars, je scame tout le monde. Bon, bah ça tombe bien, tu vois, Stan. Comme ça, moi directement, t'as le contact, je te fais le convoi de fonds. Bah nickel. Directement. Bah c'est nickel. Ok. Félix, c'est sud, hein? Ouais, sud-sud, c'est ouais, ça. Donc, oui, donc ce sera forcément vous, alors si c'est le SSP. Ok, parfait. Ça marche. Bah, écoute, donc voilà. Bah, je vous tiens au courant, monsieur Flamme. Bah, vous me tenez au courant, ouais, oui. Pour le. Si le transfert. Okay. Russie. Ok. Vers la Russie? Bah, enfin, s'il a atteint son objectif. Ah, ok, je me suis parce que le transfert quand vers la Russie. C'est un peu loin, quoi. Ok, c'est un peu loin. Aller jusque là-bas, quoi. Ouais, c'est les hops, c'est les. Le transfert est arrivé à destination. Voilà. Très bien, bon, je ferai ça, ça marche. Super. Bah, et du coup, vous expliquerez plus tard, du coup, pour la seconde semaine, pour les impôts, c'est ça? Il y a quelque chose à remplir. Enfin, monsieur Stan ne sait peut-être pas comment. Il y a un Google Doc à remplir. J'ai vu un plus ou moins. Okay. Ça va, c'est assez simple à comprendre. Si vous avez des questions, vous demandez à Félix Nunez. Ok, oui, je l'ai vu sur Discord. Voilà. Sur. D'ailleurs, monsieur comment? Monsieur, moi? Oui.
Non, j'ai... non, on s'est dit que il faut pas créer la Discord entre nous. Vous êtes monsieur comment? Ah pardon, monsieur Bilboulette. Ok, monsieur Bilboulette, la prochaine fois que pendant une réunion, du coup, où il y a monsieur le maire qui parle et que vous me coupez la parole ou que vous me huez, alors que vous êtes patron d'une de mes entreprises, je vous vire sur le champ. Est-ce que c'est clair? C'est bien clair, monsieur le maire. Voilà. Vous pouvez avoir votre opinion, il n'y a pas de problème. Mais que vous coupez la parole et que vous. Ah, c'était monsieur le maire qui j'ai coupé la parole. Les gens qui n'ont rien à faire dans cette réunion, c'est un peu limite. Je pense qu'on va donner une chance, monsieur Hudson. Vous avez une chance, donc on est content de vous. Désolé. Continuez ça, comme ça. Ok. Désolé, il n'y aura plus de UU. Vous pouvez parler, hein, mais juste de façon plus respectueuse, comme on fait là, vous voyez. C'est mieux. D'accord, désolé. Ok. Pardon. Il n'y a pas de souci. Continuez comme ça, c'est très bien ce que vous faites. Merci. Désolé. Bonsoir 05. Bonsoir. Mais non. Oh, faut pas pleurer. Non, mais parce que moi, ça me rappelle quand mon père il m'a engueulé. Ça prend à cœur. Après, c'est vrai, écoutez, oui, on est dans un débat politique. Oui. Et puis vous êtes là, vous venez chez lui. Puis vous mais je pensais qu'on était un peu comme des députés finalement, c'est ça en fait. Ah non, bah non, vous n'avez pas le droit. On gère juste les entreprises de la ville, quoi. Exactement, voilà. Oui, vous avez le droit, comme il l'a dit, d'avoir vos opinions, mais gardez-les pour vous. Oui, oui. Désolé, je suis vraiment désolé, je m'excuse. Ah, c'est de la maladresse, oui. Ça va se soigner, c'est pas grave. Et ce sera quand du coup la vente aux enchères? Dimanche? Peut-être pas dimanche. Plus tard. Non, ce sera la semaine prochaine normalement. Mais voilà, peut-être dimanche prochain. N'hésitez pas à injecter de l'argent voilà, dans le compte d'entreprise si vous voyez que. Et il faut. C'est quoi l'IBAN? T'as l'IBAN déjà de. Bien sûr, de bien sûr. GVV. Je l'ai noté dans mon GDoc. Pawn Shop? C'est Pawn Shop, ouais, c'est ça. C'est... Non, alors c'est okay. Porn Shop, c'est ça. Ah, Porn Shop. Ah ouais, c'est notre entreprise. Ça. Bah, c'est... Ah non, pardon, c'est vraiment voilà. Porn Shop. Ça, c'est Porn Shop. Désolé, ouais, okay. je vais revérifier, je vous confirme par message. Oui, il n'y a pas de souci comme ça. Tu me dis, ah oui, la réunion vient de si finir. T'es vraiment en galère ou quoi que ce soit, comme ça je réinjecte. Ouais, ça de toute façon, t'as besoin d'acheter quoi avec le compte En soi, t'as juste à... Une tempesta. Pardon, une. Une les salariés. Les salariés. Ah, les salariés, oui, bien sûr, bien sûr. Mais avec. T'as beaucoup de gens qui viennent te vendre des, je sais pas, des écrans plats, des tablettes, des téléphones, justement. Il y en a beaucoup qui viennent. Oui, il y en a pas mal, oui. Bon, bah, c'est bien. Déjà. Il y en a pas mal, mais en ce moment, c'est un. En ce moment, il y a pas trop de chiffres, malheureusement. Ouais, bon, écoute. Donc, je leur dis aux gens, voilà, n'hésitez pas à braquer, semaine, hein. À cambrioler, enfin, pardon. À trouver, à chercher, tu veux à dire. Communiquer, ouais. À faire des brocantes pour avoir des, voilà, des articles. Bien sûr, bah, tout ce qu'ils ont dans leur grenier qui viennent te le rendre. Hein. C'est ça, je leur ai dit, n'hésitez pas à voler, à trouver. À trouver, dire, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, oui, voilà. Ok. Bon. Bah écoute, on se recontacte, je passerai de toute façon, carrément je suis en service ou quoi. T'as combien d'employés là? 4 2 Ok, c'est bien déjà. Vous êtes 3 quoi. Oui, on est 3 en tout ça, moi je bosse aussi beaucoup. Ouais, voilà quoi. Ok, ça marche. Bon, allez. Je passerai, écoute. Bon, bah super. Bilboulette. A plus tard. A plus tard. Si seulement les gars ils savaient que l'entreprise est en faillite, y'a personne qui travaille, j'ai zéro employé. Oh là 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 là. Si seulement les gars ils savaient. Mais y a pas Mathieu? C'est quoi, on va commencer les gars par une petite supérette. Ah il vient d'arriver Mathieu. On va l'attendre. On va faire une petite supérette en attendant les gars. Et ensuite on va aller ouvrir, ça marche, on fait ça les gars. Supérette, ensuite on ouvre. Après faut qu'on mette les 2000 en banque. Les 2000 quotidiens. Cet item est périmé. Ah ouais, c'est vrai que maintenant les items ils pourrissent. Il est bien ce véhicule, je crois. Oh merde, oh le con. Oh non, putain. Vous pensez, faut que je prenne un nouveau, les gars, ou ça va le faire celui-là? Faut que je prenne un nouveau véhicule ou ça va le faire? Nouveau?
pas un exabu en fait celui-là. Oh, l'essence, bah c'est pas grave. En fait, je vois pas de véhicule. Flemme de chercher pendant une heure et tout. Ah, nickel. Essence. J'ai lâché ? Ok, don't shoot. Ok. Vient me passer combien à votre avis ? Plus de 2000 les gars ou moins 2000 à votre avis ? Les pronostics, c'est comment ? Moi je dirais un peu moins de 2000. Okay, I'm going as fast as I can. Ouais, 1800 ouais. 1900. I can't go any faster, please. Please don't kill me. I am about to go home. 1500. Merde. C'est de la merde. Ils sont là, Los Pollos. Oh non, la police! Eh, mais qu'est-ce que vous... Ça va pas, non? Qu'est-ce que vous faites, vous? Vais braquer la banque! C'est pas une banque. C'est pas une banque. Ah, pardon, la cyberette. Oh, ils tombent pas le véhicule, les gars. Mais quoi? Mais c'est lunaire! Oh bah. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Mais c'est fou ça! Oh merde, là par contre, faut que je fasse gaffe. On va s'arrêter là. Bon, on a fait 3 rounds, les gars. Ouais, on teste pas conduire, on a peur de toi. Ah là. Bah, ça, quand je suis tout seul, quand ils sont pas là, les autres, bah, je suis à mon prime. Je vais aller prendre le nouveau véhicule et on enchaîne les gars en vrai. On va refaire, on va recommencer. Ouais, on recommence. Juste parce que il tombe pas celui-là. Putain la base. Vous allez bien? Non, non. Qu'est-ce que vous avez foutu à cette vitesse? Mais en fait, j'avais plus de liquide de frein. Ouais. Et c'est... Oh merde. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, oui. Ça va et vous? Vous vous êtes fait mal ou pas? Un peu, mais ça va aller. Ça va. Vous pouvez appeler les médecins ou pas, monsieur? Non. Ça va. Je vais aller faire un tour. Non, ça va, je vais aller faire un tour d'abord pour réparer ma voiture. Faites attention quand même, ouais, et puis réparer votre véhicule aussi. Oui, merci, vous aussi. Et monsieur, attendez, monsieur, je sais que c'est quand même bientôt Halloween, mais on n'est pas encore là. Ah oui, pardon, parce qu'en fait, avec des amis, on faisait des blagues ensemble, désolé.
Ah, y'a pas de soucis. Oui. Ok. Bon, bah super, faites attention à vous. Hein. Merci, allez, vous aussi. Monsieur, hein. Bonne soirée. Merci. Je suis au mécano, par là-bas. Par là-bas, attention. Oh ouais! Y'a de la bagnole ici ou quoi là? Ouais. Ouais, non. Elles sont soit trop gîtées, soit plus la merde. Tu me diras, le 4x4 il a l'air sympa. Hein. Et lui il est ouvert, je crois. Ah non. Ils sont tous cheatés, je crois, les gars. À part celle-ci. Elle est pas cheatée celle-là, mais elle est fermée aussi. J'ai testé celui-là ? Non, j'ai pas testé. Ils sont tous cheatés, non ? Ouais, c'est de la triche, ouais. Ouais. Ah, les bâtards, ils m'ont vu, ils ont fait demi-tour. Oh non, ils vont suivre. Tempête! 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 Voilà! Comme ça, ils ont pas le temps de suivre. Je crois que le véhicule commence à fumer, hein. Les gars, où est-ce que je peux trouver des véhicules? Où est-ce que je peux trouver... Ah bah là-bas. Ouf. Ce big chicha là. Ah, ça c'est un bon véhicule ça. Ça les gars, c'est sous-côté ça. Ah, casino, ouais, vous avez raison. Ouf. Les gars, celui-là il est sous-côté hein. Je crois que le problème de ce genre de véhicule, c'est qu'ils sont lourds. Alors, je crois que c'est des flics là, juste là. C'est gaz. Bah, on teste, les gars, en vrai. C'est vrai que ça a des grosses fesses. elle est marrante. Elle est marrante la caisse. T'es mal, les flammes elles sont roses. Oh, comment elle glisse sa mère! Allez, c'est parti. J'aimerais bien, les gars, pour une supérette, partir en parachute. Ça serait vraiment marrant, ça. Les gars, vous aimez pas la voiture, vous? Bah arrête, elle est bien, wesh. À pied, carrément, bah oui, partir à pied. Et t'as capté, tu finis en parachute. Un petit saut, un petit peu de gazose, un peu de limonade. Choqué sort à Minute Park, Inglewood. Ah, ferme-la ta gueule. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais j'aime pas les supérettes là. Qu'est-ce qui se passe? On va aller peut-être à celle-ci, à celle de vers Forum Drive. Elle est jamais faite cette supérette là. Il s'ouvre pas le toit?
Tu sais qu'on dirait qu'il s'ouvre les gars. Mais je vous jure qu'il marche pas. Pourtant je connais bien le bouton. Ah les 2000 dollars sur mon compte ouais. Ah ouais elle glisse hein. Quand t'es en poursuite ça ouais ça doit être relou ouais. Wesh mais arrête. Mais putain mais les PNJ ils sont relous. T'as vu on voit la route qui charge les gars vous avez vu. Et bah ça c'est le truc qui s'est désactivé là faut que je le réactive. Mais le problème c'est que si je le réactive ça fait un écran noir. Ça c'est relou. Essence ah ouais ouais. Ouais c'est vrai que l'essence aussi. Faut que je fasse Belek. Dites pas les gars comment ça dites pas. Ah oh, les gars c'était vraiment une tentative de meurtre. Ça si vous regardez mon expression de visage. Je crois que j'ai serré les lèvres. J'étais en mode... Fais les pompiers. Ah le braquage des pompiers. Ah j'avoue les gars. J'avoue. Tu gagnes 4000 hein. Braquage pompier tu gagnes 4000. Ok bah c'est parti. Braquage, mais pas, alors pour le braquage des pompiers frérot, il faut que je pose mes 2000. On va rentrer à la soirée hein. Ouais, il faut que je pose mes 2000. Et tac tac tac. C'est ça mon code. Que je pose, déposer. Et que je mets de l'essence. C'est quoi le braquage pompier? Bah en fait c'est juste il y a un cooldown quoi. C'est celui-là hein. C'est vers là je crois. T'as un cooldown et genre enfin tu dois rester là-bas 5 minutes. Si t'arrives à rester là-bas 5 minutes bah je gagne 4000. C'est comme une supérette en un peu plus long quoi. Vas-y ils sont relous frère. Après il a rien fait de mal ça. Il a vraiment juste Tu sais que j'aime bien cette voiture. Ça fait vraiment un gros cylindré genre. En plus, elle ne peut pas, ils sont juste à côté, je crois. Ah non. Ah non, merde. Eh, tu sais quoi, les gars? Les gars, nique sa mère et l'essence. Ah si, il y a une pompe à côté, si. Attends, mais c'est où la pompe à essence? Ah, enfin, ouais, c'est là. Tu vas te faire choper en 2 secondes. Ouais, et en fait, moi je pense qu'on n'aura pas le temps d'attendre 5 minutes. En vrai, je vais pas mettre trop d'essence parce qu'en vrai, ça coûte cher quand même. Pas mettre trop d'essence, tac. J'ai mis 120 dollars. On croit qu'on va avoir la moitié du plein. On a à peine la moitié. Et là, en gros, tu vas ici. Tac. Et là tu vas là. Ça lance. Ok. Et donc on doit attendre. Ah non c'est pas 5 minutes, c'est 170 secondes. Ça fait combien? Ça fait 2 minutes 2 minutes 20, 2 minutes 30. Ça fait 2 minutes 40. Ça fait 3 minutes en tout je crois. Ça fait 3 ouais 3 minutes hein. Ouh là 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 là. Mais ça, vu la rapidité où ils sont venus sur la supérette, je pense qu'ils vont venir encore plus vite. Oh putain, j'entends les sirènes. Oh non, les gars. Oh non. Oh non, non, non! Y'a quelqu'un! Vous avez pas eu le temps de braquer! Ah non! Vous inquiétez pas! Je répare! En fait, j'ai un masque de pompier! Alors, en fait, si vous voulez, y a un problème avec un disjoncteur! Et en fait, c'est juste. Là! Waouh, faut me laisser quoi? À peine. Laissez-moi. Waouh, 80 secondes, laissez-moi ça! Et en fait, voilà! Ça vous va? Ouais, vous êtes en train de vous moquer de nous quand même là, non? Non, 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 vous voulez boire un café? Ouais, vous
Moi, je veux bien. Alors, je vous le ramène. Attendez. Ouais, allez, j'arrive. La machine, elle est un peu lente, mais je la ramène. Les gars, c'est Monsieur Flamme. On va essayer de gratter un max de secondes. Attendez, tac. Restez dans la voiture, non, vous inquiétez pas. Vous ouvrez la fenêtre et vous le... Tenez, voilà. Hop. Madame, je vous en fais un aussi. Merci, super. Ouais. Bon, je vous en fais... je vous en fais un, madame, et puis... Okay. Ouais, bah non. Non, vous inquiétez pas, y'a pas de cocaïne dedans, y'a que du lactose. De perceuse. Tac. Voilà. Hop là. Hop là. Hop. Bon bah on va être bon. Tenez, tac. Tenez madame. Merci beaucoup. Je vais je prends mes affaires et puis rapidement. Ils sont où l'argent ? 1500. Vous avez bien baisé, c'était un braquage. Vous avez bien eu. Ça, merci qu'il y a encore des joueurs comme eux, hein. Qui sont RP, frérot, qui sont fair play avant tout. Et oui, celui-là! Le grand saut, c'est maintenant. Hop, esquive rotative. Hop, attention. Attends, elle glisse sa mère. Hein. Monsieur, vous allez me tuer! Oh, je crois que je vais me tuer. Oh merde! Ah je vais jouer un RP. On va jouer un RP blessé. Hop. Animation. Ok. C'est quoi ce boucan là? Il est parti là-bas. Il est parti par où? Il est parti tout droit là-bas. Ok, super, merci. Passe à mon habillé. Il est parti là-bas. Courez, il est parti là-bas. J'ai bien baisé. Mais c'est Monsieur Flamme. Mais normalement, il m'a reconnu, Monsieur Flamme. T'es vraiment chaud. Mais non, mais c'est. C'est frérot. C'est ça le RP. C'est incroyable. Et t'as vu, carrément je pars pas en vélo. S'il me rattrape, ça serait trop incroyable s'il me rattrape. Là t'as vu, quand c'est comme ça, t'as envie de perdre carrément. Vous captez pas ce que je veux dire les gars? J'ai envie de perdre. Merci Tony pour le Prime. En vrai, je peux partir en vélo. Je vais le faire après, mais t'as vu, je laisse encore à la chance. Non, c'est vraiment banger. Vraiment banger. Écoute, j'ai mis du temps à descendre. Hein. Merci Yolande pour le 4e mois. Vas-y, on va ouvrir l'entreprise en vrai, donc on go bosser.
Démarche. Attends, je sais pas ce qu'on m'a démarche. Merci The Truck pour le troisième mois. Allez, c'est parti, on va bosser. Ça commence à l'air d'être kiffant par contre, savoir faire du skate IRL. Ça, en vrai de vrai, ça a l'air d'être incroyable hein. Oh putain, le con. On s'est fait 6K en 5 minutes. Ah banger. Ah les gars, d'ailleurs Nicotine il m'a donné un conseil. Il m'a dit frérot, pourquoi tu... Enfin, au début il pensait que c'était logique. Il m'a dit ouais toi aussi tu fais des lives sur TikTok et Twitch en même temps. Bah et moi je lui ai dit non. Et il m'a dit bah en vrai fais frérot. Il a pas tort parce que du coup les gens sur TikTok bah ils vont nous découvrir sur Twitch. C'est bien. Ça peut être un délire. Ouais bah en fait c'est ça peut agrandir la communauté quoi. Bah après je pense pas que je lirai le chat de TikTok ça parce que bon, y a après deux chats à lire c'est compliqué. Attends, merde putain. Oui et l'argent? Bah non tu gagnes rien je crois. Si je suis en live TikTok ça rapporte rien je crois. Enfin ça rapporte que si tu mets ta tête non? Enfin je... Peut-être, non je dis de la merde, bah oui ça peut rapporter je pense mais... Qui va te donner des roses ça? Si, je lis même pas le chat, qui va te donner des roses? Non. Mais par contre ouais je voulais faire un live, je voulais faire un live TikTok avant de commencer le stream. Mais j'ai pas eu le temps parce que fallait que je prépare l'opération commerciale avec LG. Ça fait plaisir les gars de dire voilà l'opération commerciale avec LG. Excusez-moi les gars, excusez-moi quand même. Tu sais que les gars pour de ça. NON. Neymar. LG Logitech. Non LG LG, genre la marque LG. On a fait un unboxing, ils m'ont offert un écran. Et du coup, enfin leur nouvel écran. Bah le Ultra Gear, bah d'ailleurs les gars ceux qui... Bon il coûte assez cher mais il y a un petit code promo de 15% ça. Bah du coup c'est pas négligeable 15% de 2500. Mais c'est un écran frérot, il est futuriste de psychopathe. Un écran incurvé qui a 240 Hz. Un temps de réponse de 0,03 millisecondes frérot, c'est une dinguerie hein. Dites-vous il y a quelques années on était à 1. Les meilleurs écrans genre ils étaient à 1 ms. Là t'as 0,03. C'est limite de l'instantané. En soi je sais pas si les gens vont pouvoir faire mieux. Tac, entreprise ouverte. C'est parti les gars, on ouvre l'entreprise. Est-ce qu'on m'a volé mon argent? Où mon argent? Pawn shop ouvert. Envoyer l'annonce. Bah attends, faut que j'en les retire NS du groupe. Membre. Ah je crois qu'il a quitté par lui-même. Ouais, il a quitté par lui-même. Hé hey. Pourquoi wesh? Hé hey. Attends, d'ailleurs faut que je pose mes 2000 d'argent là. Le pawn shop de Villemoud, bonsoir! Mais bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je me permets de vous appeler, j'ai besoin de petit renseignement. Dites-moi tout, vous ne nous dérangez pas. Je voulais savoir si par hasard vous vendiez du matériel de pêche. Alors ça, malheureusement non, c'est pas notre domaine, nous on fait beaucoup de rachats au pawn shop. Rachat-revente de notre côté, mais bon, ça non malheureusement, désolé.
Donc vous en avez pas en stock? Vous en auriez pas racheté en particulier par exemple? Non du tout. Nous ce qu'on fait plutôt, c'est plutôt de l'achat en vente de tableaux, d'œuvres d'art, de voilà, de pierres précieuses, etc. De colliers, de montres. Vous faites des voitures aussi? Non, pas voiture, non. Désolé. Pas de voiture d'occasion? Non, malheureusement non. Ah, c'est dommage ça. C'est, ouais, effectivement, mais bon, nous on est spécialisés dans un domaine, on préfère être professionnel dans un domaine où on maîtrise bien et pas trop s'éparpiller, quoi, voilà. Ok, et vous savez pas où je pourrais trouver une canne à pêche, des hameçons et des leurres? Si, bien sûr. Alors, ça se trouve au U-Tools. C'est aussi simple que ça? Oh, aussi simple que ça, oui, c'est au YouTube. Putain, depuis le début, ça fait 3 jours que je cherche, je me dis, au bout d'un moment, je me dis, je vais faire ça au YouTube, j'ai pas le temps d'y aller encore. Ouais, c'est simplement au YouTube, hein, vous, c'est. Voilà, c'est. Au YouTube, et c'est au fond à droite. Vraiment, je m'en souviens. Ok, parfait, bah écoutez, merci beaucoup pour l'info, du coup, je vais faire un avec tour avec plaisir. YouTube. Bon courage à vous, au plaisir. Bonne soirée, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, ça, les gars, j'en sais rien du tout. Bonsoir! Vous allez bien? Ouais, ça va, super, je travaille au Pawn Shop. Ouais, je travaille au Pawn Shop. Alors, on vend quoi? On rachète plutôt. En réalité, on rachète plutôt. Tableau, montre. Ouais. On vend des pierres volcaniques aussi. Tiens. Ça, la revente, ça coûte assez cher. Donc, en fait, nous, on va le revendre. Ça se revend, dites-vous, 40 000. Ça. 40 000? Ouais, le truc, c'est qu'il faut trouver un acheteur. Voilà. Et ça, c'est le souci. Donc nous, on les vend 20 000. Et la revente, vous faites 20 000 aussi. Ouais, fois 2 quoi. Fois 2. Okay. Mais les tableaux, vous les rachetez à combien? Alors les tableaux, tout dépend du tableau, mais on a différents tarifs en fonction du tableau, de l'œuvre d'art ou pas. Voilà. Mm-hmm. Donc approximativement, on reprend à $150, 200. Ouais, 150, ok, ouais. Ce qui va valoir le plus chez nous, c'est surtout les colliers, les montres aussi, les Rolex. Les Rolex en or blanc, voilà. Donc vous allez vous faire plus d'argent. Donc c'est là où on va faire plus d'argent. Pas charbonne. Voilà. Ok, bah je repasserai directement, je vous ramènerai, des petites Rolex aucun problème. Aucun problème. Ok, bah parfait. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure du coup? On est ouvert, pour l'instant on est ouvert. Je sais pas encore jusqu'à quel heure. Ok. Voilà. Ok, bah je repasse bientôt. Oh, une coupure d'extrême. Oh mon dieu, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? À l'aide! Hey! L'argent. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi? Le Pawn Shop de Zinewood, bonsoir! Toi, t'as pas enregistré mon numéro, toi? Ah, si, on l'aurait, Mathieu, c'était une blague. Comment ça va? Ah, ok, ça va ou quoi, sale beau gosse, va? Bah, ça va super, hein, j'ai cru que t'allais m'insulter à ma daronne, mais ça fait plaisir. Non, tu racontes quoi là? Bah, on est là tranquillement, et toi? C'est au Pawn Shop? Ouais. Tu fais quoi au Pawn Shop? Me dis pas que t'as un arrêt des gens encore? Si. Ok, bah, vas-y, pas force à toi. Ça m'est déjà temps plein. Et toi, tu fais quoi? Moi, je viens de me réveiller, toi, tu t'es réveillé à quelle heure? Oh, vers 22h. Vers 22h, ouais. Oh, 22h20, 15. Donc t'es là jusqu'à 2h là, c'est bien. Ouais, c'est jusqu'à 2h, ouais. Minimum. C'est quoi le programme là? T'as fait des supérettes ou pas? Ouais, j'ai fait des supérettes. Tu t'es fait attraper? Non, même pas, j'ai fait supérettes et j'ai fait pompier. 4500. Viens, mais montre-moi ça, ouais. Viens, ramène-toi au quartier. Bah bien sûr. Vas-y, je suis au quartier. Vas-y, d'arrive, bah je ferme le Pawn Shop, je viens l'ouvrir, mais tranquille. Vas-y, sale beau gosse, vas-y. Vas-y, bah après, vas-y. L'argent? Non, on va poser au quartier, les gars. Putain, parce que les gens ils vont péter un câble. Hein. Le Pawn Shop il ouvre 5 secondes. Laisse ouvrir, pas grave, mais non. Ah, je mets pas d'annonce comme quoi il est fermé. Eh, les gars, c'est samedi le match.
Le match Eleven All Star. C'est samedi, les gars. Ah ! Ok. Ouais, bah samedi soir, ça va pas stream, les gars. Je vois pas, ça va regarder le match. Mais ça va, oh, eh, cette semaine, les gars, on a, oh, quand même, on a bien stream cette semaine. Ça va, y a eu moins de day off. Pour une fois. Cette semaine, les gars, on a pas mal stream. En fait, il faut juste que. Je pense, les gars, à mon avis de moi, il faut juste que mes day off ils soient structurés. Même si je fais beaucoup de day off, au moins juste qu'ils soient carrés. Genre, ce jour-là, c'est day off. Tous les jours, ça stream. J'ai fait deux day off cette semaine, mais non. Non, j'ai juste pas stream lundi, je crois. Ouais, j'ai pas stream lundi parce que j'étais pas bien. Mais je stream mardi, mercredi, jeudi. Ça fait 3 jours. Oh la honte. Mec, il est là, il croit, il a stream 20. Oh putain. Les gars, ça fait quand même 3 jours non-stop, on est en live. Enfin, 3 jours d'affilée, quoi. Non, mais ça va, là, je reprends du boulot, là. Les vidéos YouTube, ça reprend fort, là. Tout va bien, là, ça va. Hop là. Putain. Ah là là, putain la tête. Putain, c'est fou ça. Ça va ou quoi, ça le fout va. Ça va et toi, monsieur? T'es un malade, wallah. Ah, t'es un dérapage, hein. Un fou, mais toujours garçon de café, tu veux pas te faire une tenue là? Non, regarde, j'ai une nouvelle tenue. Vas-y, fais voir. Attends, je cache. Vas-y. Tu peux me retourner? Vas-y, 1, 2, 3. Tada! Mais je la connais celle-là déjà. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu la connais, ah ouais. Je la connais. Je la connais. Bon, on se prend une petite voiture? Ouais, on se prend... Vas-y, je te suis. Attends. Vas-y. Tu me suis? Non, je te suis. Je te suis. Quoi? Vas-y, je te suis. Allez, Mathieu, fais vite, Mathieu, allez, vas-y! Mathieu, vas-y, on dirait vraiment Tobias, mais en blanc, quoi. Oh! Faut que je dépose mon argent aussi! Mathieu! Monsieur! Mais putain, mais les voisins, ils disent rien que tu gueules comme ça? Non, des emmerdes, les voisins. Je paye, c'est ma baraque, c'est propriétaire. Oui, bah baraque ou pas, c'est pas tes oreilles, hein. Non, je rigole. Attends, je vais déposer mon argent. Je vais déposer mon argent. En plus, tu vois pas de quel voisin tu parles. Tu veux prendre la Felon? Bah vas-y, go, c'est en vrai, c'est ça. Par contre, c'est moi qui conduis. Parce qu'on en a marre de... Bah vas-y. Elle s'ouvre, incroyable. Bah vas-y, viens. Attends, pousse. T'as de quoi crocheter? Bah oui, t'as de quoi crocheter. Mes ongles et mon couteau. Attends, je mets l'essence. Vas-y. Après, juste, je passe vite fait déposer mon argent. Eh, tu veux m'acheter un flingue ou pas? Je veux t'acheter un flingue. Est-ce que t'en veux un? Je suis grasso. Vas-y, je te le fais 35 000 avec la boîte de munitions. Vas-y. Vas-y, je te fais ça. Vas-y. Oh, trop bien, t'auras un flingue, ça veut dire, là. Ouais. Donc on pourra braquer des dents. Ouais, si tu veux, ouais. Bah on fait ça après les super-aides, tu vas pas te trimballer oui, avec. Oui, non, mais tranquille, après, arrête, on va travailler. Voilà, on prend le temps, tranquillement. Tu me fais un virement? Ah. T'as combien sur le compte, là? Bah, là, c'est... Ah, d'ailleurs, faut que je pose mon argent, les 2000, là. C'est 6004. Attendez, madame, attendez, ah, mais vous voyez, je suis en train de mettre l'essence, Alhamara. Hey, quoi ce délire, là? Il est con, quoi. Salopard, va. Vas-y, viens. Vas-y. Eh, ce soir, on fait quoi? Comme c'est quoi le programme? On fait un petit braquage? Je sais pas, y'a pas de programme, hein, tu sais, nous, c'est... C'est freestyle, hein, c'est ouais, freestyle. Ouais, non, mais vous qu'il y a pas de programme, mais le programme, il se crée, en fait, au moment où je pose la question. Ouais, c'est ça. Mais on pourra pas faire... Enfin... C'est compliqué, faudrait que je te parle. Ah. Ouais, parce qu'en gros, ah. Si tu veux... Attends, t'as fait quelle supérette là? Je peux juste pour la rendre ici. J'ai fait pompier et j'ai fait Vinwood. Oh le bâtard, il a fait pompier, il s'est mis bien. Je fais vite, en vif, attends. Faut qu'il m'explique parce que... Oh, laisse ça. On a les 100k les gars. C'est bon, j'ai fait les 100k.
T'as 100 000 là ? C'est bien. Écoute, en gros, là, les tontons, ils m'ont proposé de rejoindre officiellement les MOB. Ah, d'accord, ok. Ils m'ont fait une demande parce qu'en gros, je t'explique. Ils ont voulu faire. T'as vu, ils ont voulu faire. Comment dirais-je ? Non, j'ai déjà posé les 2000. La guerre contre d'autres gangs. Ouais. Et en fait, les gangs pensaient que j'étais MOB, tu vois. Donc moi, à chaque fois, je me faisais attraper par les gangs. Et quand je leur disais que j'étais pas MOB, ils me disaient, mais comment ça, t'es pas MOB ? Tu fais tous les coups avec eux, mais t'es pas MOB. Donc là, les tontons, ils ont dit, bah, pour remédier à ça, on va officiellement t'intégrer dans notre groupe MOB. Et comme ça, on pourra continuer à faire des bracos ensemble. Sinon, ça va être compliqué, en fait. Ah, mais de quoi tu fais MOB ? Bah, tu peux faire ta demande, en vrai. Faut voir tonton. Oh putain, mais jamais d'avis vous m'acceptez. Mais si, je pense qu'ils sont grave chauds. Hein. Non. J'entends quand moi, même. Moi, je pense qu'ils sont grave chauds. Après. Tu penses ? Après, c'est. Bah ouais. Après, faut voir. Hein, c'est de la négociation pourquoi... après. Hein. Bah ouais, pourquoi ils diraient non en vrai ? Bah, il a... en vrai, c'est des a priori hein, qui se font. Hein. Ah, dis quoi ? C'est des a priori qui se font. Je vais faire ouais, ça là. C'est a priori. C'est pas parce que t'es roux que t'as pas besoin d'être MOB, hein. Ah, pouh, j'ai le mouk. On arrive. On est là. Attention. Ils sont deux. Motherfucker. Motherfucker. Oh, il veut me taper. Ouais, mais il est fou. Oh, mon Dieu. Ah, le mouk. Pas en cours, hein. C'est bon, il a eu peur. Ils ont pas d'argent. Voilà, il est parti, je l'ai saigné comme un halouf. What is that? On fait laquelle tu penses? On peut faire Verjet, on était à côté en vrai. Ah oui, mais en fait, je crois que tout à l'heure vous avez fait, mais ça marchait pas, donc peut-être maintenant ça marche. Comment ça marchait pas? Qu'est-ce que vous dire par marchait pas? Bah, enfin, non, mais ça marchait pas. Le plan n'a pas marché dans le sens que. Voilà. Ah oui, ok. Je pensais genre tu me parlais d'un bug d'animation, un truc comme ça. Oh non, non. Bah, ça y est, toi, c'est ton tour aujourd'hui. Mais non, mais c'est toi, tu... C'est très bien que tu voulais le dire. Après, pour une fois, aujourd'hui, dans ma tête, vous partez d'un point de vue où vous allez être sérieux. Bah, vas-y, à partir de 3. 1, 2, 3, on a plus rien à dire. T'as dit quoi ? 1, 2, 3, quoi ? On a plus rien de dire de bêtises. Oh, ok, ça marche. Bon, à partir de 3, on est RP, ok ? Ok. 1, 2, 3. Non, mais on représente. RPZ. Ouais, oui, on représente. Vas-y. T'as mangé quoi, ça ? J'ai pas mangé, j'ai mangé tard. J'ai mangé des pâtes, steak avec des crêpes aux champignons. T'as mangé ça où ? Au Koi ? Bizarre. J'ai fait ça maison. Ah ouais, c'est bizarre, t'as pas de cuisine. Ça fait comment t'as préparé ça à la maison? Bah si, j'ai une cuisine dans ma maison. Attends, oui, t'es espère. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Ah pouh, j'ai le pote. Ah putain. Viens, on fait celle au-dessus là, BMF. BMF. Ah, mais je fais celle-là tout à l'heure, moi. Ah, t'as fait celle-là? Ah, autoroute. Ah non, j'ai pas fait celle-là, pardon. Bah vas-y, bah va direct. Je l'avais fait, mais ça marchait. Enfin, le plan n'est pas marché aussi. T'as mangé quoi, toi, Mathieu? J'ai mangé au Koi, moi. Ah j'ai oui mangé un tagine, ouais, tagine borkok, belham. Au Koi bah, ils font... Oui, au Koi, ouais, oui. Bah, c'est fou, ça. Oui, bah, papy m'a mis dans un coin de la cuisine, il m'a mis bien. Hein. Borkok. Il m'a ramené Khadija et tout, il m'a dit, t'as mangé borkok? J'ai dit, ouais, ramène. Enfin, super être là. Ouais. Vas-y, c'est laisse faire. Tu tiens pas sur ces appuis ou quoi? Là, les flics ils sont derrière. On arrive! Non? Ils sont là. Non, ils veulent pas. Oh ouais. Non, putain. Vas-y, bah, va autoroute. Vas-y. Ouais, bah, faut que je voie avec un mobile, hein. Ça veut dire que là, du coup. Ils sont cachés, genre les flics, t'as vu, ils sont cachés là-bas. Ouais, t'as vu, dans un petit placard. Ils attendaient. Un placard? Défendre la ruelle. Ah oui, il faut revoir tes définitions là. Oh putain. Mais attends, mais du coup là, sort, tu vas faire un braquage toi avec eux? Là, vous. Non, ah, ils sont derrière, attends, ils sont derrière. Vas-y, va, vas-y. Mais fais comme si tu les voyais pas. Ah, vas-y, okay. Comme un fou. Mais c'est pas des flics ça derrière. Mais c'est des flics. Mais n'importe quoi, c'est une voiture lambda. T'es sûr? Mais bah oui, il y a pas de gyro, couleur noire. Ah putain, merde, oh le con. Oh ouais, ta gueule. Ça, c'est Valouz et Pidi, il parle comme ça. Qui ça? Valouz et Pidi. Je connais pas, c'est quoi ça? C'est des menus au Koi? Hein? C'est des menus au Koi? Je connais pas. C'est qui? C'est des youtubeurs. Je connais pas. C'est quoi youtubeur? C'est des gens qui font des. Bah vas-y! Je connais pas. Ça, c'est des gens. Pas. Mais quoi? La France quoi? Oh ta gueule! Je connais pas la France. Hop. Ok. Mais stop.
À bout. On arrive. Une entrée, une préparation, tout ça pour rien, ça me saoule. Il y en a un à droite là, non? On continue. En bas à gauche, c'est-à-dire. Non, je crois. Ah oui, mais plus loin. Ah, ok. Ouais, ah, vas-y, oui. descends, tu peux descendre. Ouais, oh, c'est pour ça que je me dis. Gently. Chut. C'est bizarre. Vas-y, il vient de l'épicerie, c'est sûr. Tu penses? Fils de poule. Ouais, c'est sûr. Non, ils sont passés à côté de nous. T'inquiète. Feignons, rien, travaille pas, rien, oh, feignons. Bon, ah, ça fait plaisir ça, attends. En plus, t'es noir. Ah. T'as dit quoi? J'ai pas entendu derrière la porte. Il est noir. Allez, donne, dépêche. Bah attends, mais c'est du racisme ça. Mais non, il est noir, c'est un vrai couleur. Dépêche-toi. No, dépêche-toi, je vais te piquer. C'est moi, je suis trop chaud. Vas-y. Sur les appuis, t'es moi, gauche, droite. Gauche. Voilà, 2200, putain. Ah bah il avait de l'argent lui hein. C'est un noir mais il est riche hein. Oh bah mais pourquoi mais... Ouf. Oh putain. Coucou Spagnol. Coucou. Oh putain la vache. Vas-y, viens attends. Je lui ai cassé son crâne là. Ah là oui, là c'est trop mal. Oh putain, elle est morte, regarde. Bah là, mais elle a pas le temps de voir la mort là. Zizou qui m'appelle, voilà que je réponds pas, ça va pas ou quoi. C'est qui Zizou? L'alcoolique de fou là, le père. Le clochard là. Ouais, c'est moi. Pourquoi tu réponds pas? Tu as eu des mauvais frais trucs avec lui? Mais à chaque fois que je le vois, il veut brûler quelqu'un ou faire une TS. Tu te rappelles? Une quoi, une caisse? Il est fou lui. Une TS, une tentative de suicide. Tu te rappelles? Ah, oui, il a voulu s'exploser. Malade lui. Mais il faut vraiment être un vrai suicidaire pour dire le mot TS déjà. Bah il l'était vraiment. Hein. Je pense pas qu'il est semblant. Oui, attends, j'appelle. Attends, j'appelle la police. Ouais, vas-y. SSP, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Ici, oui. On apparaît deux braqueurs de Superette, donc on est très dangereux et virulents. On vient de braquer Superette qui est sur la GOH. Alors, pas la première, mais celle qui est la deuxième qui est un peu sur le niveau de la plage. Alors là, mais j'appelle l'unité de suite. On est sur la Insegnoro Road. Donc, très bien, j'envoie une unité. On est très dangereux, on est arabe donc. Oui, j'envoie une unité. Ils arrivent. Ah bah nickel. Oh là. Mais ils sont trop rapides. Attention que la magie commence. Attention que les accidents commencent. Et c'est parti. Que la ruina commence. Pourquoi tu crois pas en moi? C'est fou ça. Non, je crois en toi, mais pas en ton. Comment dire? C'est-à-dire ce que t'as entre les mains. Et comment tu le conduis? Enfin, non, vas-y. Tu vas voir. Vas-y. Bismillah. Il faut toujours dire Bismillah avant de faire un braquage. Ah oui, c'est ma maman qui me l'a dit. Ta maman, je te dis aussi Psaha la prise d'otage. Vous dites quoi, monsieur la police derrière? Ils veulent qu'on s'arrête, crois. Alors, mais c'est pas moi qui conduis, vous inquiétez pas, c'est mon ami. Il va jamais s'arrêter. Il y a juste un mur qui peut l'arrêter. Exactement. C'est exactement ce qui va se passer. Seul un mur ou une voiture mal garée qui peut m'arrêter. Ou un arbre, effectivement. Ou un poteau. Ou un palmier, là, il y en a sur la route, a priori. Ou une voiture, ou un camion aussi, entre autres. Ou une carte SIM aussi, parfois ça arrive. Ah, un bidon d'essence, ça peut le faire aussi. Ah oui, un bidon d'essence. Oui, ça fait faire des... Ok, d'accord. Une fois, j'ai vu une poule qui a arrêté une voiture. Bah, ça peut arriver aussi, hein. Ouais. Mais en vrai, normalement, vu tes compétences, là, c'est impossible. La petite feinte que je ne connaissais même pas, tellement elle est... Ah. Non, y'a rien. Non, y'avait rien. Ok, y'a rien. Je retire ce que j'ai dit. Je reviens en arrière. Je t'ai pensé un clown ou quoi? T'as pensé quoi? Au coil? Non, j'ai fait l'amour, c'est tout. Ah d'accord, bah après, c'est vrai que c'est... Mais ouais. Dans ma... Non, par contre, t'es pas trop drôle, hein. Je pense que c'est parce que t'as pas... Non, ça te regarde, tu fais ce que tu veux de ta vie, hein. Bah c'est... Ah, on peut pas tout faire, hein. On peut pas faire le clown et faire l'amour. Oh putain, il y a un plan mule. Oh là là, le plan mule. Oh le plan mule. Vas-y, attends, je jette la herse. Oh bien joué, je connaissais pas ça. Bah voilà, bah, tu viens de le connaître maintenant. Oh bien joué, mais tu fais comment? Tu pars trop de temps après. T'inquiète. Regarde, hop. Ok. Oh pas mal. Et là voilà. Vas-y à droite, vas-y. Première à gauche, bon, t'as pas vu. T'inquiète. T'as vu, dommage. Personne m'a vu. Pas mal, hein, ce que tu viens de faire là, ce que tu viens de proposer, hein. Espèce de gros chien de la casse, bien joué, hein.
Sale sienne, va. Voilà. Voilà, mais je suis agressif quand je suis content. Ouais, vois ça, vois ça. Wouh. Ouais, je pensais que t'allais faire Allahu Akbar. Ok, vas-y. Oh. Ah, dommage. Ah, dommage, dommage. C'était pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal en c'était vrai. C'était plus mal que pas. C'est vrai. Non, en vrai, c'était bien, c'était bien. En vrai, c'était pas mal. C'était bien. Bon, la voiture, elle commence à tousser, donc fais attention. Ah merde, c'est vrai qu'on a mangé un sacré poteau là. Elle commence à bouder, donc fais attention, sinon ça va partir rapide, moi je te le dis. Après, le flic n'est pas forcément nul derrière, donc aussi ça. Non, non, il est pas forcément nul. C'est ça, il est pas forcément, il est pas forcément excellent non plus, quoi, je veux dire. C'est je vois ça, je vois ça. Ou pas mal, ouh, il a tout mangé. Alors évite les bouches d'incendie, on n'est pas pompier. C'est vrai. Et j'ai envie d'éteindre personne pour ma part. Okay, on va les éteindre avant qu'ils s'allument, tout simplement. Je te fais confiance, le stand. Oh, ok, pas mal, pas mal. La petite feinte, vas-y. Tu peux les avoir, vas-y. Droite, direct à droite. Après les palettes en bois, tu tournes à gauche. Ça serre à gauche, attention, ça serre à gauche. Bien joué. Ça resserre à droite, vas-y. Ouf. Vas-y, ouf. C'est pas grave, continue. Oh là là. Continue, vas-y, à gauche. À gauche, bombarde. Ça commence à fumer, ça sent les problèmes. Aïe. C'était bien tenté, mais bien, franchement, mais... Il faut... Après, tu peux les emmener aussi Cano Vespucci, si tu connais. Non, je... Là, tu peux, là, à droite, là, dans le parc, là, direct, là, tu peux tenir ici. Non, il y a des enfants, c'est pas un pointeur. Ouah, ça va, il y a personne, là, regarde. C'est pas pour les enfants, ici, c'est pour les adultes. Mais quel artiste. Oh, yo, Jean Dujardin. Il l'a pas vu venir, c'est là. Oh, il l'a pas vu. Oh, yo. C'est désolé, Mathieu, je suis désolé. C'est à contresens. Bah, on est en poursuite le matin, on le sait tout de suite. Ils sont partis par là-bas. Ah, ouais, ils sont partis de l'autre côté. Ça va, monsieur. Moi, ça va, ça va. On a rien vu venir. Putain, il a fait sur le côté quand même, en sécurité. Putain, mais Tony Hawk, tu vas te calmer là, c'est quoi ça? Ah putain. Il a voulu faire, il a pas les 3 points, bien joué, hein. C'était pas mal joué. Il y avait. Le Stan, cours! Je prends lui. Mais c'est l'autre caravan! Bah non, moi je pense que c'est toi. Non, c'est vraiment lui. Mais arrête-toi! En plus, je cours grave lentement, moi. Putain. Moi aussi, regardez! À l'aide, madame! Ah non, elle va pas vous aider. Si, madame! Madame, bombarde! Madame, bombarde! Non, tu vas à la police. Ah, bah allez, hop! Bah prends sa moto! Bah, connard! Mais un pro. Mais sa moto, allez! Elle est hantée la moto! Allez! Ah putain, il va se faire! Attends, c'est la meuf! Il est où, Mathieu? T'as gagné peut-être une masterclass en vue? La meuf, elle s'est fait taser, ce qu'il a. Putain, mais d'où? Peut-être qu'il court encore. Ouais, t'es où? J'ai le moto, ça récupère, t'es où? Au niveau du quartier. Quartier, vas-y, c'est mort, le moto. Attends, il s'est passé un truc. Ah! Il y a une moto derrière. Mathieu? C'est Mathieu? Ouais, c'est moi. Ah, ok. Oh putain, j'ai eu peur.
Et tu sais qu'il y avait une dame, elle est passée, je suis monté derrière sa moto, elle s'est fait taser elle. Du coup, j'ai pris le volant. T'es un bâtard. Bah, c'est pas moi, c'est putain. Elle a mangé un coup de taser normal pour rien. Ah, gratuit. Putain, t'es un malade. Elle est montée avec eux là. Vas-y, vas-y, on enchaîne avec une super, il faut qu'on trouve un véhicule. Vas-y, ça marche. Je pense que ça va les casinos. Casino ? Ouais, casino, il y a des véhicules là-bas. Vas-y, attends, tour de conduire. Ah, bah attends. Elle est bien celle-là, je crois. Non, elle est éclatée. Faut que tu réussisses, au moins une supérette là, t'as pas réussi là. Là pour, là, ouais, pour qu'on si, change la main, il faut que tu. J'ai déjà réussi avant. Réussisses. Ouais, mais avant. Mais moi j'étais pas là, moi. Attends, il y a des voitures. Oh, on a plus beaucoup d'essence. Tu peux en récupérer là pour une supérette. Je vais dire. Ouais, je te jure. Casino, on va casino. Va Life Invader. Oh merde. Ouais, ils sont derrière. Oh putain, bah c'est comme les impôts, ils t'attrapent, ils t'arrachent plus. Ouais, ils lâchent pas, hein. Putain de merde. On va où, on va où? Life Invader, t'as dit? Bah déjà, faut les jugs et semer, peut-être. Ouais, facile. On est en moto. Oui, c'est vrai. Ouais, ils ont du courage de venir, hein. Yeah. Ils ont failli nous percuter là. Ah bon? Vous avez pas regardé derrière, moi je regarde pas le rétro. Ah bah heureusement, hein, parce que la voiture elle est passée au-dessus. T'as tourné au bon moment en vrai. Hein. Hop, voilà. Comme ça c'est réglé. Voilà. Ouh, c'est quoi ce bout de con là? Parking rouge, va, hein, parking rouge. Vas-y. Mais attends, elle est incroyable la moto. Hein. Ouais, ouais. Vas-y, on fait une flic avec ce soir. Et on dit, on l'a sémé, c'était trop clair. C'est vraiment incroyable. On est vraiment des pilotes des fous là. Attends, c'est ta gauche, hein. Ah oui, celle-là. Bah, franchement, celle-là, elle est pas mal, hein. Top. On prend la jacquard, vas-y. Ouais, mais j'ai pas de crochetage, moi. J'ai, t'inquiète. Ah bah, pardon. Garde la monnaie. Fignon. Garde la monnaie, elle a dit. Fignon, bah tiens, conduis jusqu'à la supérette. Après moi, conduis. Ok, ok. Attends, j'en mets de l'essence encore. Ah putain. Fignon, rien. T'as la ref maintenant de Fignon? Bah tu me l'as expliqué, oui, depuis que j'ai la ref. Ah d'accord. Rien, Fignon, travaille pas. Mais t'as mangé quoi toi au coil? J'ai mangé des pâtes avec de la dinde. Waouh. C'est la hesse, hein, c'est la hesse, hein. Non, alhamdoulilah, ça va, hein. Juste que faut manger simple dans la vie, c'est bien aussi. T'as raison, les sauces simples finalement. Bah ferme ta gueule alors. Bah si c'est aussi simple à dire qu'à faire, bah c'est, ça serait facile. Mais qu'est-ce que t'as voulu faire là dans le parc, espèce de fou? Dans le parc, qu'est-ce que tu... Tu savais même pas ce que tu faisais, non, t'as juste vu un trampoline, tu dis allez vas-y. En fait non, je me suis dit peut-être ça passe, genre avec un peu de vitesse. Ah ok, okay. Genre je me suis dit peut-être ça fait pas abuser, genre ça fait pas un saut de fou. Non. Bah donc finalement non, si. Non. Ah bah si, ouais. Allez, viens. Allez, c'est parti, fainéant. Rien. Par contre, on est vraiment noir là dans la voiture. Hein. C'est vrai que la jacquette par rapport à la félone, elle est fatiguée la pauvre. Hein. Ah ouais? Ouais, je le sens. La félone, elle a plus de patates. Donc, censé réussir avec un véhicule qui a moins de patates que l'autre d'avant. Bon bah, super, Ouais. Ça, en gros, ça, le... entre autres quoi. Entre c'est autres. Ça le thème, c'est ça le thème. On est sur ce thème là. Bah, super le thème. J'ai même pas encore conduit aujourd'hui, faut que je m'échauffe les mains là, les bras là. Comment tu t'échauffes les bras? Vas-y, montre-nous. Bah là, je fais comme ça, tu vois. Je chauffe les pneus, je chauffe les bras en même temps, tu vois. Quoi, tu fais du rallye là? Je fais du rail, regarde. C'est au rallye, ils font ça. Quoi? 10h10. 10h10. T'as passé le permis ou pas encore, toi? Non. Tu le passes là, t'attends quoi? C'est pas le permis là. Bah oui, justement, tu te dis. Mais ça sert à rien, ils contrôlent jamais. Oh, tu rigoles ou quoi? Toujours ils contrôlent. Oh, l'épave à droite là. Sur une sortie de flicca, ils te contrôlent, hein. Excusez-moi, vous avez le permis? Bah oui, j'ai le permis, ok, vous pouvez y aller. Ah, ça là, j'ai braqué tout à l'heure, attends, je vais aller voir. Je le connais, lui, je le connais. C'est il y a longtemps ça, vas-y. Mathieu, c'est un noir! C'est un. Il dit quoi? Mais il a pas d'argent. Ah vas-y, c'est bon. Ah, Marabouta. Ils font semblant. Là, on va aller Colina, là. Ouais, voilà, Colina, en fait, il y a Marabouta. Après, Ouais. Après, on va réessayer pompier en même temps. Ouais, vas-y.
Pourquoi tu vas arrêter les pompiers, Mathieu? C'est bizarre ça. Bah je pense que... D'ailleurs, comment ça se fait qu'on récupère de l'argent dans la caserne de pompiers? Bah vraiment, c'est quoi? Moi c'est un mystère aussi hein. C'est des braqueurs? C'est quoi? Je comprends pas en fait. Mais moi je comprends vraiment pas pourquoi. C'est de l'argent des femmes enceintes? Enfin des femmes éteintes? Je comprends pas là, je... Femmes enceintes. Allez, vas-y mon grand gaillard. C'est mort. C'est un noir. Ah ouais, t'as dit. C'est un noir, c'est mort. Okay. Il t'a dit que c'est un noir ou c'est toi qui l'as deviné? Non, ça se voit. Ok. J'ai deviné. Ok. Je rigole, les gars, c'est de l'humour, les gars. Tu pourras avoir un troisième enfant, Mathieu? Bah oui, Stan. Ah, c'est vrai. Bah ouais. Bon, ça doit coûter cher un enfant. Ouais. Vas-y. Eh, mets-nous un coup de pression, Viens là, viens ta grand-mère, vas-y, donne-moi tout. Hein? Vide les poches avant que je te vide ton cerveau. En commençant par faire... Dépêche-toi. T'entends l'autre mec derrière? Eh, il est fou le mec dehors, c'est ouf. Donc si tu veux pas qu'il rentre et qu'il te mette des coups de couteau... Tu l'entends? T'entends? Et regarde. T'as vu comment il grogne? Un animal, il a pas mangé depuis 8 mois. C'est un ogre. C'est un ogre. Ok, don't shoot. C'est bon, il m'a donné... Oh putain, il m'a donné beaucoup, hein. Combien? 2700. Donne. Tiens, je mets dans le bataclan. Vas-y. Attends, non, 2007 divisé par 2. Toi qui aimes l'argent. 1000, 2000. 1000, 2000, hein. Ouais. 1000, 2000. Oui. Bien sûr. Je passe à l'arrière et j'ai fermé. 2700. 2700 divisé par 2, ça fait 2000, t'inquiète pas. 2700 divisé par 2, ça fait 2000. Non, moi j'écoute ton instinct primaire qui a 10300. Ah ouais? Ouais. Ça a changé depuis, hein, je crois. Hein. C'est fou ça, hein. L'économie. T'as fait la mage au niveau de la calculatrice ou pas? Comment? Est-ce que t'as fait les mages au niveau de la calculette? Non. Ben voilà. Fignon. Ceci explique cela. Rien. Attends, regarde, lui va se prendre un coup de. Coucou Spagnol. Bah vas-y, bah couche le deuxième aussi, pas de jalousie. Ah, c'est vrai, t'as raison, on va faire une paire de couilles. Bah ils dorment tous les deux côte à côte. Faites de beaux rêves, hein. Franchement, faites de beaux rêves. De toute façon, ouais, pata, visite tes pauvres, nique sa mère la retraite. Bah oui, on a abrégé leur souffrance. C'est trop. Et comme par hasard, c'était des noirs. Bizarre, hein. Ah, ils arrivent. Purée. Pomme de terre, c'est pas vrai ça. Non, me dis pas que c'est eux encore. Déclinez votre identité, bande de malfrats. Oh non, pas eux. Oh non, pas eux. Non. Ah bah allez, hop, je te laisse le volant. Vas-y, monte tous tes talents. Tu fais quoi là? Tu ouvres la boîte à gants ou quoi? T'as dit quoi? Tu ouvres la boîte à gants, tu fais quoi là? Ah, t'as entendu ça là? Non, c'est des amendes. C'est quoi? Des amendes. Bah c'est ce qu'on va se prendre là, des amendes. Ah bah là franchement c'est ce qu'on va se prendre, Mathieu. J'ai pas dit tout. Tu veux un truc spectaculaire? Tu veux un truc spectaculaire ou pas? Ouais, mais fais-moi un truc spectaculaire dans... Voilà. T'as déjà vu ou pas? Non, j'ai jamais vu, du jamais vu. De l'insane. Jamais vu. Voilà. Ouf, je vais peut-être baiser la caisse hein. Ah oui. Ouah, la le saut. La troisième corde qui a été fait. Attention. Alors ça c'est du spectaculaire. C'est du jamais vu, c'est de l'insane. L'exclusivité. T'en veux encore? J'en veux encore. Oh là, c'est du contenu. Du contenu exclusif qu'on a actuellement, du divertissement. C'est fou ça, c'est fou. Mais qu'est-ce que font les poubelles ici? On me dit à l'oreillette que on en veut encore. Ils veulent. Il veut. Que va-t-il nous proposer? Voilà, cet arabe. L'anticipation. Pas mal. Les policiers en face sont pas mal aussi non plus. La voiture boude quand même hein. C'est effectivement. Ouais, bah oui, tout à l'heure, c'est mal passé tout à l'heure. Ah oui, au bourreau. C'est vrai que le pare-buff ne sert plus à grand chose hein. Nous ça va. Juste la belle vie. Alhamdoulillah, la belle vie. C'est ça. Bah tu dis le bismillah avant le braquage. Ah oui, mais faut toujours dire le bismillah hein. C'est super important de dire bismillah. Avant tout. Avant toute chose.
La concentration, il ferre les fesses. Hein. Le M ferre les fesses, la concentration. Nous cherchons toujours l'issue fatale pour la police. Tout à fait, une porte de sortie et pour nous et un blocus pour eux finalement. Tout à fait, exactement. Il ressort. Pas mal, c'est pas mal ce qu'il propose l'arabe. Voilà. Actuellement dans l'usine de Puff Daddy. Voilà. Quoi? Bah c'est ici l'usine, hein. Là on est là. Est-ce qu'ici y a trop de buissons, de petits trucs? Ouais, faire attention, faites attention, ouvrez les yeux. Voilà, le braqueur qui donne des conseils aux policiers tellement il est sûr de lui. C'est important. Excusez-moi. Merci. Attention. Ils arrachent tout sur leur passage, mais c'est fou. C'est fou. Il a pris. Il l'a pris, mais il n'a pas prié. Il reprend, attention, les rails. Le rail. Ouf, le plan mule. Mais Mathieu a toujours un plan B, et ça, c'est impressionnant. Ah oui, tu connaissais pas? Ah, je ne connais pas. Bon, c'est un classique, en vrai. Oh non. La voiture des flics qui boude toujours autant. Effectivement, la voiture qui... Et voilà. Et c'est vraiment pas identifiable, hein. On sait même pas si c'est un véhicule de police finalement ou bien juste une voiture. Madeleine. Une Madeleine de Proust. Une Madeleine de police peut-être aussi. Et c'est reparti pour un tour. Allez, bande de Sanigo. De quoi? Hein? De sale. Sale quoi? De Sanigo. Non. Pas ça. Non. Pas les. Non, pas eux. La feinte, voilà, c'est vraiment inutile. Mais c'est pas grave, on part. Oh. Ouf, lololo. Des prises de risque inconsidérables. La voiture de police, c'est vraiment qui a du mal. Et qui fait de plus en plus la gueule. On va tirer la gueule, on dirait. Elle fait la gueule. On dirait un visage d'une personne qui m'est familière. Hein. Est-ce qu'elle est noire? Non. Là, on prend des risques, vas-y. Ok. Parce que là, y a pas de risque, là, en mode là. Non, là, c'est chill. Hein. Attention, la prise de risque, attention. La classique des silos. Et ça passe. Et attention, va-t-il. Oh mon dieu! C'est du jamais vu! La voiture derrière de police qui boude! Ouf, il a failli avoir un tonneau de la part des policiers. Dwagby, un mot à dire sur votre prestation? Franchement, c'est super. Bah, très belle imitation de Dwagby. Ah, Dwagby! Oui, effectivement, oui. Yeah! La feinte de boîte aux lettres, on appelle ça la feinte de boîte aux lettres. C'est super. La feinte postale. Le M qui est tellement à l'aise qu'il prend le temps de pas trop feinter non plus les policiers. Et ça, c'est fou. Ah, la voiture est debout derrière. Hein. La voiture rouge, hein. La voiture rouge, finalement, on est amené à Kabyle, la voiture rouge. La voiture rouge. Sont venus faire l'enquête. Attention, les Handek. Bon, faut les achever quand même là. Oulalalala, le M qui veut achever les policiers. Ça y est. On arrête de rigoler. Oh là là. Méchant. Méchant. En termes de feinte, il cherche, il rentre chez les gens. Tout ça parce que je suis arabe, c'est ça? Ah là là. Albata. Aïe, on est en colimaçon avec le voisinage. Ok, l'antipère à côté, ok, ça marche, je vois, petit filou. Attention, il va nous faire la petite feinte de car wash. Ah ouais? Non, y'a pas de feinte car wash, c'est nul. On va aller voir un conducteur d'exception. Bah, une goutte de sueur sur le fond. Ah, les policiers. Pourtant, j'en ai un gros. Les policiers qui complimentent les braqueurs. Prison. La même la vie. Elle est plus belle là, hein. C'est fini l'opération des gilets jaunes. Le M qui arrache toute la ville sur son passage. Qui c'est à moi? Oui. Non, j'ai rien touché. Ah d'accord.
Non. Autant pour nous, autant pour nous. Mais avec plus grand des plaisirs. Ah oui, c'est vrai ici. J'ai oublié. Les gars, ça se voit, il a appris quelques trucs là récemment, NS. Bien joué, bah anticipez, anticipez. Sur le côté. Oh mon dieu, peut-être le cul-de-sac. Et non, il a toujours un tour dans son sac. La maîtrise de son véhicule finalement, en parcimonie avec, avec son véhicule. Le véhicule des flics en charpie. Merci Noisette pour le sub. Voilà, maintenant on passe dans le 77, le zoo de Beauval. C'est là où... Beauval ? Oui. Ah oui, tu t'es allé ou pas ? Ouais, c'est d'y aller. Jamais allé. Eh, tu sais qu'ils ont ouvert, un hôtel, il est incroyable à ce qu'il paraît. Et alors quand tu dors là-bas, t'as des lions qui te réveillent le matin. Sérieux ? En mode, ah oui. C'est comme à la savane, il vient d'ouvrir. Ouf, oh la patrouille. Mais attends, les flics, ils ont percuté là. Ah oui, non, totalement. Ok. Ils ont percuté, ça, bon, ok. Ils sont déter pour nous attraper. Hein. Ah oui, non, là, la voiture vraiment fait la gueule, hein, de fou. Ouais, là, là, ils boudent leur voiture. Hein. Là, vraiment, on est plus sur un. On est sur une voiture de police. Une voiture de police. Hein. On est plus, voilà, sur un. Restez-vous chez la police. Attention. Oh, bien joué, la fin de frappe. La fin, c'est fou! La prise de risque! Les prises de risque! Ah, il a laissé aucune chance à son adversaire. Le M qui en rate pas mieux. La voiture rouge est prête à garder son argent. C'est fou! Ah oui, il y a grosse somme d'argent en plus. Mini Ronini! Voilà, c'est une voiture qui n'a pas peur et qui a. Enfin, mini. Qui a... Mini quoi? Non, rien. Tu as peur, voilà, de perdre son argent. Mini Rony. Attention. Non, c'est... Ah, attends. Oui, vas-y. Le portail, Va bah, jusqu'au bout, vas-y, Mini Rony, vas-y. Bah quoi? T'es mis qui comme ça? La vérité, la poursuite est longue. Mais plus c'est long, et plus c'est... intense. Voilà. C'est qui Jawad de Bagnolet, les gars? C'est qui ça? Yeah! Attention, le moteur qui peut exploser. Et voilà. Voilà, on passe devant chez Jawad de Bagnolet. Et direction Del Piero Freeway. Ah oui, Cano Scucci, vas-y. Je sais pas emmener là-bas encore. C'est le fils de Bassem. Attention. Ouh lolo. Un terrain dangereux, un terrain glissant. Un terrain compliqué pour les policiers qui vont anticiper peut-être, et non. Les policiers prennent le risque de suivre. Finalement, essayer le blocus. Attention, la porte de sortie pour Mathieu. Va-t-il pouvoir créer une distance entre lui et les policiers? Non, parce que le véhicule est tapé. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils sont un peu bourrés derrière. C'est peut-être le moment de faire zigzags, peut-être. Ou pas, le camion, et c'est la fin. Le choc qui n'a laissé aucune chance au conducteur de la Jacquard rouge. Oh, salaud! Comment vas-tu? Salaud! Il insulte les poignets. Il a tourné de nulle part. Les gars, je suis plus là. Ah non, aucun soutien, non, clairement pas. Il va nous faire la petite feinte. Aïe, aïe, aïe. Eh, Mathieu. Je baisse ma tête derrière, comme ça, je suis plus là. Mets la dans la boîte à gants. T'as dit quoi? On va tenter le tout pour le tout. Si jamais on se pétit, je reste derrière dans la voiture. Non mais c'est bon, on est safe là. Comment on est safe? Bah ça y est. Je vois des sirènes derrière, on fume mais je vois des sirènes derrière. Ah oui, c'est vrai, ils sont là. Je pensais qu'ils s'étaient pas passés. Mais là, on fume. Moi, je reste caché dans la voiture à l'arrière, on voit pas le nom. Non. Ah si. Bah si, on le voit. Ah merde. Fermez les fenêtres. Les gars, c'est bon, on voit pas là.
Ok, Mathé, c'est entre toi et toi. Là, c'est entre moi. Et toi. Et moi. Inspire, 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 inspire. Expire, expire. La victoire est à deux pas de la réussite. Elle a arrêté de fumer la caisse, non? Non, 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 pas du tout. Moi, je l'avais pas fumé, moi. Ah oui? Et ouais, attends. Ouais. Et là, tu la vois là maintenant? Hein? Ah là oui. Ah là, mais oui. Je vois rien. Là oui, tu vois, là tu vois là. Mais ouais, mais tu me dis que le truc. Merde. Tu me l'as vu. Rien. Rien, feignon, vois rien. Non, je vois rien. Ah, tu vois vraiment pas là? Bah, compliqué quoi. Bah attends, mais t'as beaucoup fumé qui sort là? Bah oui, j'ai beaucoup fumé. Ah merde. Oh le con. Et il va te faire le petit truc à saut. Ah, je connais, je connais, je connais. Ok. Regarde, il va te le faire. T'es un zénith? T'es un zénith incompris? Ils ont pas compris carrément ce qui vient de se passer. Personne n'a compris finalement. Allez, descends, descends, descends. J'attends ici. Et descends, descends, barre-toi! Non, t'inquiète. Ils ont compris. Ils sont partis à pied. D'accord. Attends, je vais voir, mais je crois qu'il y en a un. Là. Ah, bah, si, il y en a un derrière, je crois. Regarde derrière. Je crois qu'il y a un mec à l'intérieur. Derrière. Ouais. Ah, tu vois quelqu'un, tu vois quelqu'un? Ouais, non, j'ai cru voir, mais bon. Ok, ok. Laisse tomber. Non, c'est trop démon. Let's go! J'ai peur! Oh merde. Ouais, t'es où? Vous allez t'appeler. Bah, c'est sur un toit là, tranquillement. On est sur la voiture. Ils m'ont pas vu. Bah, viens, on y met la supérette en bas là. J'arrive. Ah, t'es en train de la braquer? Mais non, j'ai pas de véhicule. Attends, t'es où là? Récupère l'argent, récupère l'argent. Attends, attends. Boîte à gants. La boîte à gants? Non, mince. Bah, récupère l'argent. Elle. Ah! Ah! Ah, aïe. Ah, putain. T'as récupéré l'argent en boîte à gants ou pas? Non. Mais ouais, je m'étais sérieux. Attends, dis, mais tu m'as dit que t'avais mis dans la boîte à gants. Mais c'est toi, t'as mis l'argent dans la boîte à gants tout à l'heure. Bah, ah oui, c'est vrai. Les gars, aujourd'hui ils sont fair play les flics, hein. Pire braqueur, ouais. Vous voulez une petite réparation? Eh, hey, salut Mathieu. Ah ouais, vous êtes mécano? Attendez, je me mets sur le côté. Ouais, je suis mécano. Bah venez, venez, on va au mécano directement. C'est fou, c'est fou que je te croise là, Mathieu. Mais Stan, vas-y, monte au mécano, viens. Vas-y, vas-y, carrément. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes un bon conducteur, hein. C'est pas mal, hein. Ouais. Non, ça va. Ne sois pas humble, ça, t'es un bon conducteur. Dis, c'est pas mal. Ah oui, dis-le, tu peux le dire, hein. Ça va. Voilà, dis-le, vas-y, voilà. Dis-le que c'est bon, dis-le haut et fort, dis-le mal. Voilà. Dis-le, assume-le. Crie-le, mec. Oui, dis-le, oui, je suis fort, dis-le. Oui, je suis fort, oui. Voilà, porte-le fièrement. 21, c'est bien, 21, c'est bien. 21 comme la trisomie 21. C'est un nombre premier, c'est bien, 21. Ouais, comme ça. Tout de suite. Bah ouais, je vais vous réparer votre petit véhicule là, quand même, ça se fait pas, c'est dangereux de rouler comme ça en vrai. Oh bah c'est vrai. Bah ouais, c'est vous êtes gentil. Oh, regardez, vous avez vu. Ça, c'est les délinquants, ça, c'est ceux que c'est. Voilà, bah c'est. Oui, bah ça doit être encore un arabe ou un noir, ça, c'est sûr. Ouais.
Elle fait un peu la tour. Ah, mais vous êtes gentil. Ah oui, oui, nous. Ouais, voilà, vous nous voyez, vous nous crachez pas dessus. Enfin, ouais, non, mais non, pourquoi non. On ferait ça? Ça va pas ou quoi? J'ai jamais fait dire la mouche. Ouais, merci, merci. Salut, collègue. Bonsoir, messieurs dames, bonsoir. Bonsoir, attention, monsieur. Bonsoir, le bon vieux. Bonsoir, ça va bien? Ça va et vous? Ah, très bien, très bien. C'est fou, hein. J'ai oublié votre casque. Bah, c'est gentil, c'est un casque Beat. Beat? Non, non, c'est un casque Beat. Beat off. Ah non, 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 c'est un casque Beat. Ah, c'est écrit Beat off. Salut. Oui, oui, mais enfin, oui, le off, c'est la version super. Moi, je l'ai pas, mais c'est le. Ah, c'est une version édition limitée. C'est ça, ouais, c'est ça. Super. Vous allez assister au concert, là, le showcase tout à l'heure ou pas? C'est dans 4 minutes. Attention. Ah, attention. Oh, pardon. C'est où? C'est à Inglewood? Oui, je crois. C'est. Attendez, je vais vérifier sur l'annonce. Moi, je crois que je vais aller voir. Hein. Je crois que je vais aller. Les gars, on y va. Choqué ce soir à minuit, Park Inglewood. J'y vais. Oh, Mathieu, tu vas bien? Ah, ça va. Ah, moi, c'est toi que je dois poser les questions. Ça va, toi? Bah, oui, ça va. Oh, t'as rasé la barbe. Mais oui, mais on m'a dit que tu t'es pris une balle, c'est vrai? Oh, oui, oui, une balle perdue, mais ça a juste effleuré sur la cuisse. Oh, ça va. Rien de méchant. Eh, Mathieu? Rien de méchant. Oui. Je vais aller à Inglewood, moi, après, là. Vas-y, il y a un showcase, venez donc. Il y a un showcase. Ouais, ça marche, pas de soucis. Hein. Faites soirée, faites donc. Faites donc. Oh, putain, madame. Fils. Ça va, grand-père? Merde, excuse. Monsieur le médecin, c'est moi qui vous ai appelé, j'ai mal. Ah ouais? Oui. Xenia. J'accompagne mon ami. Si je t'ai, je t'avais même pas vu. Putain. Allez voir ma collègue, elle est juste derrière le camion. Je vais prendre ma fin de service, j'en ai marre. Faites attention, monsieur, bordel. Ah oui, c'est moi, c'est. Je l'ai pas vu, je savais pas qu'elle était devant. Bonsoir madame. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Alors, je me permets de vous intercepter parce que j'ai une tendinite au ligament croisé de la cheville par rapport à mes ischios de ma ostéochondrite à la hanche droite. Et donc, ça me fait un peu mal. Je voulais savoir si vous n'avez pas une petite pommade pour me. Ouais, bien sûr. Attendez, venez. Oh, bah super. Venez, c'est rien de grave, hein, c'est rien de folichon. C'est juste que. Ouais. Voilà, c'est histoire que ça me fasse. Parce que j'habite loin et je peux pas passer chez moi pour récupérer ma pommade. C'est pour ça. Ok, ok. Ok, alors attendez, je vais regarder ça. Alors, petite pommade là, petit flector. Une petite pommade qui chauffe. C'est parfait pour vous. Merci, madame. Oui, je suis dans l'arrière. Je suis derrière le canon de pompier là. Vas-y. Merci, madame, merci. Et là, pas de soucis. Faut que j'applique la pommade? Ouais, c'est ça, vous massez pendant 15-20 minutes. Dès que vous êtes. Okay. Dès que vous rentrez là. Ouais! Ouais, carrément! Ouais, non, mais carrément! Ça va chauffer, puis ça va. Vous verrez, ça. Ça va chauffer et ça va swinguer, quoi. Ouais, exactement, ça va swinguer. Merci, ouais. Madame. Et pourquoi vous avez un œil fermé là, comme ça? J'ai eu un accident. Ah, du coup, c'est pour ça que vous êtes. Bah, ouais, là, j'ai l'œil complètement. Ah, vous avez l'œil un peu. Enflé là. Ouais, un peu. Excusez-moi, j'ai un appel. Allez-y. Oui, allô? Mathieu? Oui, vas-y. Attends, Stan. Vas-y. Aïe! Il a clairement sauté après. Non, madame, vous avez vu ce qui s'est passé, madame? Vous avez vu? Aïe. J'ai vu que vous allez pas bien. Elle a clairement sauté avant. Donc, non, les indemnités. Oui. Vous me devez de l'argent. Non, je te dois rien du tout. Fainéant, rien, travaille pas, rien. Clochard, fainéant, rien. Ah bon, moi. Vous allez bien? Vous voulez que j'appelle les GMS? Non, ça va aller, madame. Non? Oh non, pourquoi vous pleurez? J'ai pas d'argent pour payer les GMS, j'ai rien. Ah, vous avez pas d'argent? Non, j'ai rien. J'y pense, j'ai encore mes objets à vendre au pawn shop, là. Ah bah oui, on y passera si tu veux. Oui, il faudrait qu'on y passe. Ah. Bah écoutez, je peux vous faire un petit... Je peux vous donner un peu d'argent si vous voulez. J'en ai pas sur moi, mais je peux vous faire un petit virement. Oh, ça serait fou, madame. Allez, c'est quoi votre numéro? Ah, ça serait vraiment sympa de votre part. Mon numéro, madame, c'est le 7847. 7847. Oui. Et vous, comment vous vous appelez? Stanislas, c'est vous que j'ai vu aussi à la réunion actionnaire, oui. Patron. C'est ça, c'est... On est d'accord que ça a servi à rien, cette réunion. Oh, c'est de la merde, monsieur. Oui. On va donner combien? Ils ont mis un coup de la pression sur les patrons. Wow. Oui, les actionnaires, faut les payer. Ah ouais, il y a des sanctions. Alors qu'il y en a qui n'ont toujours pas été livrés. C'est n'importe quoi. C'est de la merde, gouvernement de merde. Hein. Merdique. Ah, je te jure.
J'avais des tomates pourries, j'avais envie de les jeter, mais j'avais peur que j'ai des récupérations. Oh non, là, c'est, bah, moi, c'est je me suis battu après que le maire, j'ai fait un petit sparring et tout. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Tu l'as soulevé? Je l'ai couché. Ah. Je l'ai couché. Bah, bien fait pour lui. Bien fait pour lui, c'est réel. À un moment donné, ça va, ça va. Ça fait 3 semaines, ça on nous dit, on va avoir des solutions. Ça fait 3 semaines. Ça bug, les gars. Non, mais il y a des gens, il faut les tabasser pour qu'ils comprennent. Pour ouais. Regarde, dites-le, c'est eux, ils se sont démerdés tout seuls, ils ont pas attendu le maire. Faut leur mettre des grosses patates, les gens, comme ça. Bah oui, bah oui. Je te jure, des grosses patates. Bah oui, des grosses patates. Oh, ta gueule, hé. BO, c'est pas gentil, ça. Comment ça? C'est quoi ce langage? Eh, tu, ta gueule, hein. Mais c'est quoi ce langage, là? C'est très vulgaire. Non, on y va, ouais. Papy, y a tiens, ta gueule. Oula. Aïe. Oula, attends, je vais... Ah. Oh, pardon, putain. Oh, putain. Oh, merde. Madame Lardan. Putain. Oh, merde. Lardan, madame. Lardan. Oh, putain, attention. Merde, excuse-moi. Merci. Hop là. Ah, putain, excuse-moi. Venez, monsieur, je vous aide à vous relever. Hop là, $50. J'ai créé une guerre là-bas. Pourquoi les chaînes? Oh, clochard. Désolé les gars pour les bugs. En fait, et c'est ça. Les gars, si ça bug, c'est sûrement à cause de votre écran. C'est peut-être que vous n'avez pas forcément un écran. Putain, ça arrive, c'est pas grave. Ça va bien, Nico. Ça va. Faut arrêter de courir dans un garage, ça peut être dangereux. C'est vrai, je viens de en payer des frais. Mathieu ? On y va ? Bah attends, je fais mes petites réparations. Et vas-y, ouais, vas-y, vas-y, va, truc. Je vais au cancer, moi. Tu me vois dans ? Au cancer ? Au concert. Concert. Ouais, vas-y, je fais quelques repas, j'arrive. Concert, ça serait cool, les cheveux, non ? Allez, monsieur, comment allez-vous ? Voilà, comment est-ce que ça fait Mangaro. Inglewood, les gars, c'est où Inglewood ? Ouais, vous devez acheter l'écran LG, c'est ça, exactement, les gars. Non, pour de vrai, les gars. N'hésitez pas vraiment à cliquer, les gars, même sur le lien point exclamation ultra gear. Et en fait ça pourrait vraiment m'aider, les gars, même si vous juste vous cliquez sur le lien et vous regardez un peu ce qui se passe sur le site. En fait ça peut être vraiment bien parce que du coup les marques ils vont voir que bah voilà vous êtes une communauté impliquée. Et bah ça m'aiderait tout simplement même à avoir des collaborations avec d'autres marques, etc. tu vois. N'hésitez pas les gars. Regardez, en fait, ça, quand vous mettez point d'exclamation ultra gear, stream elements, le bot là il vous met un lien. Enfin, il met un texte, il écrit Tobias 15%. Et à la fin de ce texte, t'as le lien. T'es mal, la moto elle est encore là. On va débarquer les gars comme le rappeur. T'es mal, wesh, le véhicule. Je commence à avoir faim. Bon, demain j'ai entraînement à 16h, ça c'est carré. Ça me laisse faire une petite grasse matinée. Wouhou! J'ai mal à ma jambe, mais si je prends un écran LG, ça ira mieux. Ouais, bah forcément, c'est. Normalement, dès que tu commandes avec le code promo, ça va mieux direct. Comptes-tu live demain? Demain, je sais pas. Ouais, je pense que ça va live demain. À la base, je voulais faire un day off, mais je pense que ça va live demain parce que samedi, je vais day off. Si je live pas demain, ça veut dire que je liverai pas aussi samedi. Mais bon. Je vais guérir la voiture. Bon, ça va bugger ou pas? Allô, Mathieu? T'aurais pas oublié quelque chose par hasard? Par hasard? Toi, t'as oublié toi? Mmh,
Bien. Putain, plus gars, celui-là. J'ai oublié qui? Oubliez quoi? Pas qui? J'ai oublié quoi? La voiture? Non, ce qu'il y avait dans la voiture. Ah non, non, j'ai pris l'argent. L'argent. Non, garde-le, mais juste, non, mais fais attention en fait. Dépose-le quelque part, parce que sinon tu te fais. Ouais, non, j'ai 2007 sur moi là. Ça va. Oh, ça va. Ok, ça va. Vas-y, c'est où ton truc là? C'est Inglewood. Wesh. Ok, mais il y a quoi? C'est un concert, c'est ça? C'est un concert, je crois, de rappeurs. J'ai 5 minutes et tout. Après, t'y vais. Vas-y, mais au pire, t'as qu'à draguer des mecs, des meufs, je sais pas, faire quelque chose. Ah, ouais, non, t'inquiète pas, c'est pas m'ennuyer, mais. Tu me dis si jamais tu veux faire un truc, bah celui-là. Ah, après, je vais faire une super moi, c'est sûr. Vas-y, ça marche. Bah, je t'appelle de par de là. Vas-y, ça marche. Ouais! Vas-y, fais le rap! Tu mets pas les fesses, écrit celui-là là, hein, écrit, le haut du corps. La gare du Nord! La gare du Nord? Ouais, Zizou, ouais! Oh, Zizou, ça va quoi, Zizou? Sans la clochard, va. Ça va, copain? Ça va, ta gueule. Regarde, il y a mon fils, il y a mes deux enfants là derrière moi. Il y a mon bébé et il y a mon fils André. Ils sont beaux. Attends, ça commence. Tiens, Stanislas. Ouais. Tu veux, là après je vais monter sur scène, tu peux m'aider? Vas-y, bien sûr, je t'aide direct. Faut que tu me foutes le feu. Vas-y, bien sûr. Pour le buzz. J'ai le cœur froid, sentiments sont gelés. Moi, je prends dans la lune des fois. C'est de la merde. Le soleil est triste, j'essaie de le réchauffer. Mais moi, je donne plus que ce que je reçois. Je bon, c'est l'éteint. Tu le vois pas. Salut, Slate. Ouais, ça pue sa mère. Quand t'as combien, tu vas sur scène et tu frappes. Ça dit quoi? Quand t'as combien, tu vas sur scène et tu frappes. Ben non, c'est parce que je vais te virer, après je pourrais pas venir avec toi. Mais non, t'inquiète pas, tu seras pas viré. Quand t'as 4. Ok. 1, 2, 3, 3. Allez, vas-y, je vais. Ouais, juste tu le tapes et tu reviens. Du côté de la Palestine, j'en profite pour le dire. C'est pas un refrain, faut juste rester lucide. C'est pas un refrain, faut juste rester lucide. On a pas la même vie, on a pas. Non, attendez que je filme avant de faire ce genre de choses. Pardon, mais c'est t'inquiète, c'est après le coup de buzz. T'inquiète d'ailleurs, pas, si ça marche bien, je pourrais toucher une part de rémunération. Ouais, on verra, je vais demander à la patronne. Là, t'as mon acolyte là. Mon acolyte. Mon acolyte. Ah d'accord. Pas bon. C'est cool, il s'appelle comment? Et moi c'est Stan, ouais. Stan. On va tout baiser après, on va tout baiser. Ok. On va brûler la scène premier degré, il y aura du feu. Ah, tu fais le feu que sur moi, je vais mettre la poêle et tu me mettras des trucs sur moi, je vais pas les voir. Tu la poêle? On va être de l'autre côté, vous me faites ce signe et c'est bon, ok? Ok, bon. Mais dès que tu me verras chanter, tu filmes tout, tu verras. D'accord, ok, on fait ça. Vas-y. Ça pue sa mère le son, il est éclaté là. Trop nul. C'est éclat. Les gars, c'est trop nul. Ah. Gauche, droite, KO. Tu vas bouffer deux sur le carreau. Non, ça m'en le fait au bas. C'est le bâtard. J'ai pensé à ça, là, j'ai pas beaucoup de du couscous dans ma tête. Du couscous. Un bordel de merde. T'es fou, à nous deux, on est gagnants du tournoi, là. Ouais, tu pars du type? Bah avec toi. Ah bah ouais, du coup. Bah tu improviseras. Non, oh, t'inquiète pas. Sur mon son. T'inquiète pas, ma gueule, t'inquiète pas. Mais t'es vraiment manager de musique ou pas, du coup? Ouais, ça peut l'être à temps partiel, si tu veux. Vas-y, bah tu te présentes comme mon manager, ok? Bravo. Okay. On présente. Bravo. Je m'appelle le suicidaire, c'est mon nom de scène. Vas-y. Ok. Mais je vais te présenter, t'inquiète, laisse-moi faire la présentation. Je fais des merdes, là. Vas-y. Et t'as compris de pute, là. Hé, hé. Fais quoi, là? Hé, hey, hé. Viens là, viens là, toi. Non. Fais quoi, là? Félicitations, hein. Désolé. Ouais. Bravo. Ouais. C'est pas toi qui chante. C'était nul, mais on va demander quand même au juge de nous donner leur avis sur la performance. Oh, Zizou, pourquoi t'as applaudi? C'est moi qui passe après Yo, c'est nous, on doit gagner les 30 Yo. Non, c'est moi qui gagne les 34, je passe après. Non, c'est nous. Mais t'es là, ça, c'est il m'a juste pété les couilles, c'était grave nul. C'est nous. Il va gagner, t'inquiète. Stan, t'es avec moi, toi. Non, c'est avec son manager, Zizou. T'as dit quoi? Oui, je suis avec toi. Mon manager. Ah, non, t'es avec moi. Il est avec moi. 2 sur 10. Non, c'est mon manager, lui. Son manager. C'était une musique, quoi. Et
après les gars, comme toi, j'ai acheté la même canne. Heureusement qu'elles étaient là un peu pour attraper le truc, quoi. Pourquoi il y a des escortes là-bas, là? Donc je donnerais un petit 6. T'as des meufs dans le décor, toi, ou pas? Non, j'en ai pas. Parce que je me suis inscrit à la dernière minute. Purée. Quels sont les autres avis? Nous vous écoutons, les juges. C'est gentil. Pour ma part, les danseuses ont été au top. Niveau rap, bon, c'était pas incroyable, mais un petit 5, allez. Un 5, putain. C'est un bâtard, le jury. Il dépasse pas la moyenne, c'est terrible. C'est vraiment un flop total pour Shaylee, mais il s'en remettra. Un dernier avis, mademoiselle? Bah écoutez, les danseuses étaient vraiment là où il fallait, quand il fallait. Par contre, j'avais l'impression que le chanteur était un petit peu timide. Je ne le voyais pas vraiment bouger sur scène. La honte. Donc, il n'y avait pas vraiment de performance scénique. Mais en soi, je mets note de 6. Ah, la grosse merde. Eh bien, merci les juges. Vous avez donné votre avis. On l'a écouté et on l'a automatiquement oublié. Maintenant, merci madame. Sur quelque chose d'un peu mieux, c'est un mec qui sort tout droit des tréfonds de la société. C'est un mec marqué par la vie. C'est pas l'arthrose qui va l'arrêter et va nous non, trouver non, c'est ce pas soir. Ça, c'est on pas accueille Dutch. Eh, Zizou, laisse-moi te faire une vraie présentation quand tu rentres. Ouais, vas-y, vas-y. T'inquiète pas. De toute façon, c'est toi le manager, c'est toi qui gères ça. T'inquiète. Si je gagne, tu touches une part. Tu vas kiffer la présentation. Ouais, Dutch, je te suce la bite, Dutch. Ouais, tonton, vas-y, fonce. Yo, ça, c'est pour mes enfants, yo. Je vous regarde là-bas. Oh, le penseur. C'est pour vous, yo. Mais il est mort ou quoi, lui? Il a dit, c'est pour les enfants. Il a pété les plombs. C'est le bon, yo. Oui, ça va être toi. Vas-y, fais le rap. T'as dit quoi? Ils sont trop belles, les meufs, là, hier. Oh, le son, waouh. Ah, je l'aime trop, ce son-là. On dirait c'est un vrai son. Ah, bah, regarde, là, il a tryhard, le son. Très hâte de manger après. Ouais, c'était un fort. C'est pour les danseuses qui ont été incroyables. Pour ceux qui dansent depuis tout à l'heure, ça pue la transpi, mais elles sont toujours là. Mieux. Sacrée performance, le tonton en mode lover. Il pleure très profond, mais il est mort. Elle veut. Mais... Le texte était très profond. Mais ce qu'il faut dire, ouais, c'est que l'amour réuni et l'amour de la musique réunit également. Je passe dans combien de tomes? Ça, c'est à la fin, son tout dernier. Ouais, mais là, c'est l'avant-dernière, là, maintenant. Non, pas. J'espère que ça vous. Je sais pas, je connais pas l'ordre. On peut le faire passer maintenant, son manager. Vraiment, là, pas vraiment de danseuse. Pas de danseuse. Ah, tous nos actes manqués. Merci, tonton. Les juges, je pas, les gars. Tu veux que je demande de danser? On passe à la fin, mais t'inquiète pas. Vas-y. Les gens se rappellent de la fin. J'avais évidemment lu les lois. T'as mangé quoi? J'ai mangé des amandes. Ah ouais, t'as un peu de masse. Non, mais pas. T'as mangé quoi, toi? J'ai mangé du riz de poulet. Oh putain, oui, riz poulet. Trop fait bien, attends. J'ai vu que t'es encore à la salle. Ouais, j'ai tous les jours à la salle. Enfin, après, j'ai de pause, mais. Est-ce que dès que tu vas pas, tu te sens mal? Pour ma part. Ouais, en vrai, ouais. Je suis assez mitigé. Mais attends, c'est habitué là. Il y a un côté où tu mets. Ça me fait du bien. C'est bien fait, mais moi, c'est vraiment pas que tu parles. Ouais, ça me fait du bien la salle, ouais. J'ai vraiment pas trouvé percutant. Tu fais combien d'heures à la salle? J'ai un peu le rythme. Une heure et demie, deux heures? Ouais, ouais, j'ai quel cool. Ouais, non, c'est gars cool, c'est gars cool. Derrière ça. Donc, malgré ça, c'était quand même bien fait, c'était pas innovant. Les frères, vous avez vu ce qui se passe? Son Master Snaku sur X? Mais c'est vraiment vrai, les gars, cette histoire là? Les gars, c'est vraiment vrai cette histoire? Le prochain, on t'écoute. Bah écoutez, pour ma part, c'est pas mon registre, je trouve que ça nous on devrait, a les gars, puis c'est niveau pareil à tonton. Vas-y, mais ça marche, t'inquiète. C'était plutôt bien, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des séances de psy offertes les gars, ouais, SMD, parce que là, j'ai envie de me couper les veines, vraiment. Moi, c'est... Il est psy. Pour moi, c'est un... Ah, vous êtes psy, la chance de métier. Pour moi, c'est un beau 3 sur 10, merci à vous. C'est trop, je m'assois. Bah en fait, à ce qui paraît, Master Snaku, il est dans un petit drama là, de pointeur quoi. Mais on l'écoute, la gonzesse, tout est entre tes mains, t'écoutes. En fait, bah écoutez, j'aimerais bien que lui s'exprime, tu vois. On va pas se mentir, le travail. Avant de juger quoi que ce soit. On n'en parle pas, elles sont génialissimes. Faudrait qu'il s'exprime. Pas forcément mon registre, mais j'applaudis quand même la performance. Je mettrai une note de 7 sur 10. Mais ça m'étonnerait un peu de Snaku, ça.
Okay. Cette note, tu fais relever la planche, vous, ouais. Et tu feras moins ton mais j'ai pas de voiture, tu veux que je rentre comment? Merci à vous. Oh, ça m'étonne ça. Demande à quelqu'un au père, non? Je connais personne. Vous juste si moi je connais ce bien là. Dans quelques instants, messieurs dames, restez ici, c'est toujours pas fini. Mais allô? C'est une gonzesse. Oui. Venue tout droit ici. Elle est là, elle est prête à twerker. Moi, tu sais, je me dis peut-être que c'est les gens, ils sont mauvais, je sais pas. Le fait que là, ils commencent un peu à faire des trucs, des feats avec Amine Mathieu et tout. Ouais, Stormy, ouais. Ouais, Stormy, ouais, bouge ton cul, bouge ton cul. C'est la patte bitch. Gang shit, gang shit. On dirait c'est à la mode des youtubeurs, genre. Bon, moi, je vais vous faire danser. Allo, c'est qui? Salut, mec. C'est qui? Comment tu vas? C'est Jamal. Ah, Jawad, ça va, Jawad? Oui, ça va, et toi? Bah pourquoi tu parles comme teint? Parce que je te vois plus au quartier, t'as disparu. Mais non, mais c'est parce que j'ai pas ton numéro. Ah ok, t'es où? Là c'est un concert, là après je vais arriver au quartier. Ok, dans combien de temps t'es au quartier? Je pense d'ici 10 minutes. Ok, bah dans 10 minutes viens avec ma paye, d'accord? Oui, oui, bien sûr, bah j'attendais que tu sois qu'on se voit. Oui, mais après transfère-la-moi direct sur mon compte, ok? Vas-y, direct. Je te passe mon... Envoie-moi ton IBAN, ouais. Ouais, mais rap c'est Jaja, d'accord? J-A-J-A. Non, mais écris-le-moi. J-A-J-A. Ouais, ça marche, Jaja. Vas-y. Mais écris-le-moi, ça va. Vas-y, c'est le mot. Vas-y, merci. Je note, petit clin. Mais attends, mais excuse-nous, Nakamura là. Mais t'es pas de ta blague. Bah non, mais c'est pas une blague. C'est vraiment Yanakamuna Munkara, Kanamura. Va te faire enculer. Ouais, j'avoue, barbou. Oh, Dja Dja! Y'a pas moyen, Dja Dja! Elle va faire les yeux. Tu veux semblant de rigoler ou tu... Non, je rigole vraiment. Non, je regarderai moi. Putain, j'avais pas distingué. Mais c'est quoi, t'es Stanislas de Stanislas d'avant ou t'es... Non, c'est un nouveau. Ouais, d'accord, ok. Il est pas dans ce pays, ouais. Mais putain, tu sais que... Vas-y. Vas-y. Tu voulais faire un retour. T'aurais dû venir gitan. Bah oui, j'aurais dû, ouais, c'est vrai. Mais c'est à la fin. Ouais, non, mais tu gosses. Non, comment ça? Là, je t'avais proposé, tu m'as pas répondu. Pour vrai? Oui. Oh merde! T'as arrêté d'aller regarder, t'inquiète pas. Le 14 août? Oh non! Ça fait un mois, ah, t'as fait deux mois! Désolé, je m'en veux. Non, mais c'est pas grave, ça arrive. Ouf! Ah, mais dans tous les cas, je partais en vacances à ce moment-là, je crois. T'es parti où en vacances? À Montpellier. Tu prends des vacances, Montpellier? Ouais, ça pue sa mère. C'est quoi le prochain pays que t'aimerais visiter? Prochain pays? Ouais. Los Angeles. T'as pas jamais fait Los Angeles? Jamais fait, non. J'ai fait Miami, mais pas Los Angeles. Bravo! 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 Mais... C'était incroyable! Bravo! C'était insane! Stormy, un mot à vous dire pour cette performance? Ça m'a mal fait le cerveau! J'espère que vous avez kiffé mon blanchard. Ouais, c'est pas encore à toi, Zizou? Je sais pas. Ah putain, y'en a encore après là! Arrête, arrête. Bon, je vais demander. Tu nous as fait vibrer! Messieurs, dames! C'est le moment, on a eu une petite touche féminine, c'est okay, la première artiste féminine vas-y, qui ce soir sur scène. Les juges, on vous écoute, c'est à vous. Zéroï. Bah ma foi, un peu compliqué de savoir où regarder, entre la danseuse ou la chanteuse. Ah, c'est bon, je sais quand que je passe. Y a c'est quand beau spectacle. Elle a dit dans deux. Mais attends, viens, faut que je te parle, Tanis, là, tiens. Après, dis-moi. Y a deux S qui... Ouais, moi, tu me connais pas assez. Quoi? On se connaît pas assez. Je te préviens, Stanislas. Dis-moi. Tu me mens pas. T'es vraiment manager. Oui. Tu me le jures. Se le jure. Ok. Moi, j'ai l'impression que tu rigoles. Non, se le jure. Sur la tête de ta mère, je suis manager. C'est bon? Ok. Ah, voilà. Ça te va? Je t'explique. Ouais, ok. Bon, mon projet, c'est de percer. Ouais. Ok. Dès que je perce, ouais. On fait de la thune. Ok.
Gratuit, tranquille, en branlette. Bon, ok. Mais est-ce que tu es capable de me faire faire ça ou pas de me faire percer? Mais bien sûr, regarde déjà là l'événement sur lequel je t'ai plug ici là. C'est moi je t'ai plug, c'est moi qui me plug, c'est moi qui me suis plug. Mais non, t'inquiète pas, hey, là on va faire des trucs ensemble, t'as capté? Des opérations commerciales. Moi t'inquiète, je suis t'inquiète. C'est moi, je travaille dans quelle agence? Dans NTH. Là, je vais te brancher avec HelloFresh, là. D'accord. Je vais te brancher avec plein de trucs, t'inquiète pas. Je te fais confiance, j'espère que tu ne me mens pas. Fais-moi confiance. Parce qu'il y a le LifeVadel qui me dit qu'ils viennent là pour me filmer. Ok, bah on... On va mettre en avant. On va te mettre en avant. Déjà, t'inquiète pas, je vais te mettre en avant dès le début. On va la faire... Déjà, on est le seul à venir avec un manager. Tu captes ou pas? Déjà, pour l'image, c'est bien. Oui. On est le seul. Tu me promets que tu te fous pas de ma gueule? Me fous pas de ta gueule, t'inquiète pas, on va faire ça proprement. Hé hey, Zizou, regarde-moi, t'inquiète, ça va faire, ça marche, t'inquiète. Tu me promets? Je te promets. T'as pas choisi à boire du whisky? Eh, hey, quand tu seras une star, tu veux être une star toi? Oui. Quand tu seras une star, tu boivras autant de whisky que tu veux. D'accord. Ça marche. J'ai pensé à un autre truc. Dis-moi. Si ça se passe bien ce soir, ouais. On fait un concert sur un bâtiment. Ouais. Et après, à la fin du concert, je saute du bâtiment. Ok. Bah oui, c'est bien. Et normalement, je suis vivant, mais au moins les gens, ils feront beaucoup de thunes. Oui, en fait, il faut juste qu'on fasse en sorte de calculer la hauteur pour juste que tu te casses un truc, un petit truc. Oui. T'inquiète pas. Eh, hey, t'es mon bro, ça va le faire. Et comme notre scène, le suicidaire, ça passe ou t'as une autre idée? Non, le suicidaire, c'est super. T'inquiète, parce que, regarde, en plus, je vais pouvoir te vendre. Welcome à tous, ladies and gentlemen. Veuillez faire du bruit pour le suicidaire. Il a plus de 30 tentatives de suicide. Peut-être qu'il y en aura une ce soir à la fin de son concert. T'inquiète, ouais. je vais hype le truc, t'inquiète pas. Et tu pourras me foutre le feu correctement? Je te donne le bidon. Passe-moi le bidon à flingue, je te fous le feu, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, je m'allumerai au briquet, je me mettrai... Je vais produire torse nu. Et je te dis quand tu me mets le feu. Ok, donc je vois pas. Mais c'est dès le début. Non, c'est à la fin que je me fous le feu, à la fin de la chanson. À la fin de la chanson, je commence à verser l'huile et vas-y, ça marche. Voilà, je te dis, commence à verser et après, je te dis quand tu m'allumes, ok? Bon, je vais essayer aussi de mettre un peu sur les danseuses derrière aussi. T'as pas d'armes sur toi, hein? Non, j'ai rien du tout. Et si les flics qui t'arrêtent? J'ai rien du tout, ouais. Vas-y, nickel. Vas-y, bah c'est super. Allez. Merci, prod, pour l'11e mois. Thomas se met sur Spotify, Inoxtag, le roi. Merci. Après, j'étais à. T'as dit, t'as... C'est le premier, on va faire de la thune, on va faire de la revente à Kishta de la moula. Attends. Eh, hey, attends. Suicidaire. Non, eh. Prends ta tatima son action. Attends, t'as vu pour l'entrée sur la scène? Ouais. Eh, je vais. Sortez sur la scène. Non, mais il va faire. Mais non, c'est à nous après. Monsieur doit faire la scène. Si. Je vais te traîner, d'accord? Encore une. Oui. La chef me dit que c'est à moi. Non, mais je pense que ce sera après lui. Parce que lui, comme il participe au truc, je pense que. Oui, il participe en fait. Ce sera pour clôturer, on va dire, le concours. C'est à moi la choré finale. Sorti, vous, là, vous faites après... une choré pour clôturer, là. Ouais. Mais c'est ça. Va, là, moi, je passe là et vous passez après, du coup. Oui, mais bah, c'est ça. Va vous balader, hein. Open bar, les gars. Okay, venez voir, visite, Mina. Ok. Donc, c'est une pause, quoi. On s'en sort. Ouais, là, on fait une petite pause. Eh. Attends, c'est mon manager qui parle, Quand je vais utiliser... Attends. Filme maintenant, là, vite, introduisez. Ok. Oui, là, pour l'entrée en scène, je vais... C'est à vous. Ok. C'est à vous. Ladies and gentlemen, est-ce que vous êtes prêts pour le show de la soirée? L'événement tant attendu? Hein? Ouais. Le combat tant attendu finalement? Voilà, il a fait tous les trottoirs de Los Santos. Ouais. Il a fait tous les ponts, ce gros clochard de Los Santos. Il vit comme un SDF, mais dans l'âme, c'est un artiste. Il nous vient tout droit de la gare du Nord. Veuillez faire un maximum de bruit pour Zizou! Ouais, Zizou! Attendez! Attendez, je le ramène! Vas-y, attendez! Vas-y! Ah là! Tu me le déchires! On est avec toi, Zizou! T'as dit quoi? Je t'aime! Mon papa, je t'aime! Vas-y, présente-toi le micro! Oui, je m'en bats les couilles! Dégage! Dégage! Tu vas te calmer? Dégage! Comment ça, madame? Rangez votre masque, la soyez civilisée un peu! Dégage!
Pourquoi ? C'est beau, c'est beau. Tu dégages, j'en ai rien à péter, tu viens casser les couilles. Tu viens mettre la scène en feu alors qu'on a pas fini de danser, donc casse-toi. Mais c'est le scénario de... Je te vois mettre une allumette et un truc, je t'arrache la gueule avec ma masse. Je m'en bats les couilles. Mais déjà parle pas correctement, déjà pour commencer, déjà de 1 déjà. Non, je m'en fous. Bah non, tu manques de respect, t'es qui toi ? Je suis une danseuse, okay. T'es qui ? Allez, bah trace ta route alors. Les juges, on vous écoute pour juger la performance de Zizou. Oui, incroyable. Et écoutez, au final, moi j'ai entendu quelqu'un qui. Faut que j'aille écouter ce qu'ils me disent. Attendez. Et quelqu'un qui essaye la. Zizou, pourquoi t'as pas brûlé ? On pourra pas dire si c'est raté. Ah non, on a rien vu. Je pense que chacun sera là pour en juger. Néanmoins, j'ai entendu sa souffrance. Et je lui donne mon. C'est quoi ? Rendez-moi là, le film est ce qu'il voulait. Merci ! Tu seras payé plus à la fin. Merci ! Vous l'entendez, les gars, parler derrière là ? Il veut vraiment se mettre le feu, Monsieur Zizou. Le prochain, on t'écoute. Monsieur Zizou, c'était magnifique. Cette mise en scène. Cette sauvagerie à la fois, mais ce cœur brisé.